Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Soirée Jeu. Alors qu'on finit de s'équiper là vraiment à la seconde près. On est pas de quoi tu veux parler. Ça se voit pas. Ça ne le savait. La magie de la télévision. Exactement. La magie de la télévision. Tu fais bien d'en parler d'ailleurs parce que j'ai eu pas mal de remarques. Il y a une semaine, j'étais sur ce plateau en train de me faire relooker. T'es pimpé là. Et tu dégoûtes. T'es une salope. On est sur quelque chose. Mais alors, j'ai quand même préparé. Je pleure. Elle m'a regardé avec des yeux genre je vais te défendre. Il se trouve qu'on a appris aujourd'hui que demain soir il y aura une rediffusion. Donc je ne voulais pas spoiler les gens. La pire excuse que j'ai jamais entendue. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Ouais, voilà. On va donc passer. Ça va, bisous, c'est ok. Bienvenue évidemment. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, on va passer une soirée de folie en jouant à des petits jeux d'ambiance, d'apéro et autres. Notamment. Exactement. Si vraiment tu insistes, Xari, vraiment pas. Je suis le roi Arthur. C'est hallucinant. Est-ce que tu as pour la reine? J'ai ramené tout. J'ai pour la reine. Et en vrai, c'est un très bon. En vrai, pour la reine, c'est bien. Et on va peut-être y jouer très bientôt. J'ai reçu en exclusivité, merci à Cocktail Games, de m'avoir passé ce top 10 18+ qu'on se garde pour la fin de l'émission parce que voilà, on va attendre que les enfants soient couchés. Non, mais surtout, on va un petit peu se chauffer avec un jeu qui vient du même éditeur, qui est Mime2. Qui est un petit jeu de mime, voilà, tranquillement. Oh, jure. Où on va. On ne l'a fait pas, moi. Il est bon, le malin. Je vais la chercher, cool, cette info. Est-ce que tu as testé le jeu? J'ai ouvert le jeu. Si c'est de la merde, tu pourras m'en vouloir parce que j'ai validé. Il a validé. Le concept n'était pas prêt. C'est un jeu de mime, c'est-à-dire que ça ne. Non, mais on adore le mime, regarde. On est en train de mimer là. Ça ne révolutionne pas le genre, mais quand même, ça apporte quelque chose d'un peu particulier. No problem. La dernière fois, on avait mimé. Il est bon. Là. Je suis bloqué, gros. Aide-le, il a une porte dans lui. Est-ce que tu veux que je fasse la description la plus réaliste et courte de ce jeu? Oui. T'as envie de le faire? Est-ce que vous connaissez Ta mère en slip? Non. Le jeu, en gros, tu sais, le truc le que tu dois faire deviner un truc à la. La mère en slip, ils font la même, mais avec deux, c'est-à-dire une personnalité et une action. D'accord. Et tu vas faire deviner avec des mots. Et bien là, c'est. T'as deux trucs, mais il faut le faire deviner en mimant. Exactement. C'est ouf, gros. Exemple, j'espère que l'exemple. Je le prends au hasard, j'espère qu'il va pas être pété, attention. Par exemple, tu vas mimer un poussin qui bronze sur la plage. C'est pas forcément évident, mais c'est jouable. Oui. On va te montrer juste un truc. Est-ce que tu pourrais te décaler? On va te montrer le plan. Rapproche. Je peux me mettre là, mais du coup, je suis plus dans le plan avec. T'inquiète, on va recadrer, c'est parfait. Merci beaucoup. Ok. Super. T'es le boss. N'hésite pas à me couper encore comme seul, ça. C'est. Salut, bienvenue, c'est Vintage. C'est mieux comme ça. On arrive à 2 minutes de l'émission, c'est compliqué. On l'aime pas trop. J'étais pas en train de me branler avant. Arrêtez là, c'est délétère. J'ai le bras long, moi. L'ambiance est dégoûtante. Regarde. Bon, on va donc y aller. Sunday, puisque tu te proposes, tu vas commencer ce jeu. C'est vrai que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là la semaine dernière. J'étais pas là la semaine dernière. Grand bien te fasse. T'as raté un grand moment d'émotion. Donc tu as. On a fait du top 10 parce qu'il nous a présenté quelques jeux rough qui n'étaient peut-être pas adéquats. On se souvient tous de certains mots et de Théo. Aussi, je l'ai ramené au cas où, mais si vraiment on dit qu'on est, ban et que de toute façon on n'a plus rien à perdre, on pourra. Mais comment ça se fait que tu ne les aies pas revendus ou brûlés? Il a essayé, il a mis un tweet. J'ai essayé, c'est Mars, mon agent, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Ah, mais c'est vrai, t'as mis un tweet, c'est vrai, c'est pas une. Allez, hop, je l'ai éloigné. Loin de Rof. Être sûr qu'il le sorte pas. Bon, Sunday, je vais te donner donc deux paquets de cartes. Allez. L'un, c'est je suis, d'accord, okay. Et l'autre, c'est qui. Ok. Donc, je suis un machin qui fait quelque chose. Ok. Tu vas essayer en une minute. Est-ce que vous avez un chrono une minute, la régie? C'est vrai que la dernière fois, je l'avais prévu, mais pas cette fois-ci, en fait, je me suis dit, évidemment, on va se débrouiller parce qu'on est les boss. Voilà. Ça,
c'est la réponse qu'on veut entendre. Et en attendant, j'ai ce super sablier fuchsia et vert qui fera l'affaire. Bon, tu as une minute pour essayer de nous faire deviner un maximum de choses. Ok, j'ai le droit au bruitage. Tu as le droit au bruitage, aux onomatopées. Voilà, voilà, on est tranquille. Je fais bien. Le but étant de s'amuser, pas forcément de compter les points. Fais ce que tu peux. Non, moi je joue pour la win. Mais si tu me dis, regardez, c'est un poussin, là, ça va mal se passer. Voilà, tu prends ces deux cartes-là. Ok. Hop là. C'est ça. Tu peux les mettre. Regardez, c'est un poussin. Tu peux. Ces marquages là-bas. Tu peux les mettre. Normalement, c'est là-bas. Vas-y, lève-toi. Attends, ouais. Faut que je les mette. Mets-nous le. Oh là là. Là, sur le truc là. Où tu. Bah, c'est bien, oui. Franchement, comme tu peux. Je sens que cette lampe, il va lui arriver un malheur à la fin de l'émission. Oui, 100%. Non, voilà, ouais, parfait, elle parfait. Elle va chuter. Allez, donc j'ai. Donc là. Regarde le plan, regarde le plan. Regarde le plan. Ouais. Là, faites là. Voilà. Ok, attends. Let's go. Voilà. Super. Tu peux terminer la boîte de jeu de mort, là. Mets-lui un petit coup de. On la voit. Qu'est-ce qu'on sort du sang, là. Voilà. Attends. Allez hop. Let's go. Bon, alors. Ce sera mieux. Tu vas voir à chaque fois des numéros. Ouais. Ça va de 1 à combien ? De 1 à 6. De 1 à 6. Et sur l'autre carte, ça va de combien à combien ? De A à F. Exactement. Parce que ça va. Oui ? Non, non, mais arrête de. Xari, puisque tu as l'air de vouloir prendre la parole. Non. Non. tu vas dire à Sunday un chiffre et une lettre, d'accord ? Ouais. Et du coup, toi, tu vas passer les cartes en faisant que cette lettre et ce chiffre. Un A. Un A. Voilà, au moins, il n'est pas trop chiant. Attention. Je te remercie. Voilà. Je te remercie. C'était pas le meilleur. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse les deux en même temps ? Il faut que nous, on trouve ce que les tu deux, fais. Ouais. Mais tu peux faire. Non, mais tu peux d'abord faire le poussin. Une fois qu'on a le poussin, tu peux faire. Ah, ok, ouais. Ok. Et si tu veux aller plus vite, tu peux peut-être faire le deux en même temps. Et là. Ça, c'est dur. C'est technique. Okay. Sinon, c'est trop dur. Je pense que c'est quand même. Ah non, c'est quand même. Ouais, le but, c'est quand même de finir plus ou moins en même temps. Dire une lettre et un chiffre à chaque fois ? Non, c'est un A tout le temps. Tout ce qu'il y a. Ah oui, d'accord. Les cartes 1A pour toutes. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi. Ok, bah fais les deux. Tu es prêt ? Ok. Tu dois faire les deux en même temps. On essaye comme ça. Si vraiment c'est trop dur, tu fais. Ok ? Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Attention, vous êtes prêts ? Vas-y, on va t'aider parce qu'on va trouver très très vite, tu vois. Ok. 3, ouais. 2, 1, c'est parti. Tu observes. Alors. Escalade. C'est un mec qui escalade, mais qui c'est de l'alpinisme. Attends, c'est un mec qui plante des trucs et qui grimpe. C'est de l'alpinisme. C'est un alpiniste qui fait un truc. Alors, Sunday fait de l'alpinisme. Alpiniste qui cherche de l'or. Un archéologue fait de l'alpinisme. Un alpiniste qui. Un alpiniste qui sculpte. C'est Jean Minecraft. Qui sculpte. Qui construit un igloo. Rodin fait de l'alpinisme. Ah, il est en train de regarder un peu. Un alpiniste qui perce. C'est une sculpture, c'est une sculpture. Attends, il sort un truc. Une statue. Ah, qui découvre un trésor. Un fossile. Dinosaure. C'est chaud. Un alpiniste qui lit. Elle lit un truc. Qui construit un mobicar. Un pirate qui fait de l'alpinisme. Oh, construit un meuble. Un alpiniste qui build sur Fortnite. Ouais, qui construit un meublica, mais qui. Déménage. Qui empile une étagère, qui construit une étagère. Merci Sunday, c'est la fin, tu as tout donné pendant une minute. En fait, c'est très clos, je sais pas si ça passe sur la formulation. C'est un alpiniste, effectivement. Qui monte un meuble en kit. Oui, non, mais ça. Ça passe, on est d'accord. C'est marrant. Voilà. J'ai tenté jusqu'au bout. J'ai tenté jusqu'au bout. Le pic. Laisse les cartes. On prendra un autre truc. Voilà. Ted, puisque tu te proposes, je te laisse, je te laisse y aller. Tu vas tout donner. Ah, tu as été parfaite. Et c'est vrai que, pour le coup, tu vas voir les cartes. Il y en a, j'ai été en choix. Ted, j'ai envie de te dire 3F. 3 et F. Ok. Et ok. Bon, putain, mais. Ok. Oh, merci. Okay. Allez, attention. Donc, si jamais tu as fini, et ben, tu prends une autre carte. Bon, deux si celui-là il passe, on est okay. des génies. Ok, on va y arriver. Moi, j'ai de l'eau. Non, mais déjà, on en fait deviner une le plus vite possible. Tu peux y aller. Ok. Attention, ouais. C'est parti. Ok. Un professeur. Un commissaire-priseur. Oui. Qui zappe à la télé. Qui regarde la télé. Qui est devant Netflix. Qui regarde de la télé-réalité. Qui regarde les feux de l'amour. Oui. Mais incroyable. Mais attends, il reste du temps, Xari. Il reste 40 secondes. Faut que tu continues. Attends, 3F, 3F. Putain, 3. Incroyable. Waouh, ok. Un bûcheron. Un bûcheron, un écolier. Un écolier, un étudiant. Un randonneur. Un bon vivant.
Obélix. Mais non. Hagrid. Le Père Noël, le Père Noël. Oui. Le Père Noël, oui. Qui... Oh qui se fait la barre. Ça reste les poils. Qui s'épile. Qui s'épile, oui. Oh, yes. Pardon, je suis sûr. 3F. Oh là là. Ok, elle est une chaussure. Cordonnier. Cordonnier. Vas-y, finis, finis, finis. Il fait de la batterie. Il danse la samba. Il danse la samba. Il fait de la batterie. Il fait de la percussion. Il fait de la, du xylophone. Il fait de la batterie. Non, du tambour. Des maracas. La batterie électrique. Il traîne pas. Xylophone. Les PC. Il tape sur des bambous. Il tape sur des bambous. Putain, les bambous. Ça lui fait le bien. J'y vais. Il y va. Mais le jab, le jab, quelle maîtrise. Mais moi, je croyais que c'était au premier qu'on s'arrêtait. Donc j'étais en mode. Ah ouais, champion du monde. Incroyable. 3 points, c'était très bien. Ouais. Oh, quelle misère. Non, mais je te coupe, si j'en mets un, je suis très content déjà. Ah, mais tu vas voir les dingues sur les cartes, t'es. T'es monstrueux. Zary. Ouais. Ah, mais feu de l'amour. Incroyable. Mais, oh, Zary. Les bisous, les bisous. Ne lis pas, je vais te dire. Amour, gloire et beauté, j'en ai bien avant toi, mais les feux de l'amour. Je te dis 4B. 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 Ou les 4B, toi. Non, je vais pas faire ça. Vas-y, Xari, c'est le jeu. Allez, c'est le jeu, Xari. Je ne contrôle pas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors. Le mec, il fait le 3Z, il n'en a rien à foutre. C'est bon. 4B. Vas-y, c'est parti. Le génie. Un plongeur. Putain, un génie. Quoi? Le génie qui étend son linge. Oh là 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 là. C'est trop fort. C'est 4B. J'étais génie dans une autre vie. Allez, assume. Une coiffeuse. Cendrillon. Technicien de surface. Il y aura un bonnet. Femme de ménage. Femme de ménage. Ah, ouais. Ah, oui. Qui Il change sa roue. Il change. Ouais, qui oh change. Là. Ouais. Allez, il est bon, il est bon. On voit qu'il a changé des roues, le gars. Ça arrive, on l'a vu. Il était sur le cric, là. Le mime. Un mime. Un mime. Le mime qui tire la carabine. Mime à la guerre. C'est un mime qui tire la carabine. Ouais, c'était ça. Il a bien mimé, le mime. Il est bon. Pêcheur. Un pêcheur. Un pêcheur, ouais. What? Un hameçon. Mastico. Ah, un appât. Un verre de terre. Un leurre. Un verre de terre. Attends, je sais plus ce qu'il fait, je sais plus ce qu'il fait. B. Vas-y, vas-y, finis, finis. Il triche au poker. Bien joué. Un verre de terre qui joue au poker, quel... Et le masterclass, c'est chaud, il a la part. Mais c'est le bon. Allez, je m'y colle. Vas-y, mec. Bon, tu vois, ça marche. Et... J'adore le mec, se rassure. Tu vois, ça marche. Allez, maintenant, c'est parti. Le mec. Dites-moi tout ce que vous voulez. Moi, je le fais. Dis-moi une lettre, un chiffre, je le fais. 5A. 5A. Attention. 5A. Oula. Ah, voilà, tu m'as dit n'importe quoi. Putain, ok. Je te fais hurler un peu. Vas-y, go. Eh bah, go. Vas-y, hein, c'est go. Ah ouais. Attends, comment je le fais celui-là? On l'attend pas, en fait. Faut dire go quand t'es. La Marseillaise. Le président de la République. Le maire. Le ministre, le premier ministre, le maire. Un soldat. Un citoyen. Le général. Un citoyen. Un français. Un élu. Mais quoi ce... Ah oui. Il se shampouine. Un élu qui prend. Qui se lave la douche. Lave, il se lave la calvitie. Il prend sa douche. Il fait un shampoing. Il fait un shampoing qui. Qui met du gel. Il met de la crème hydratante. Ouais. Un français un élu qui met du gel. Un élu. Un français qui met du gel. C'est un français qui met du gel. Oui, un élu. Ok. Oh, c'est chaud. Je suis l'élu. Bon, facile. Un joueur. Qui fait des chaussures. Qui va chez le podologue. Et qui. Qui va voir teste le. Teste des chaussures. Qui quoi qui, qui, noir, noir, qui change de pointure. Qui regarde teste des pointure. Chaussures quoi. Qui. Qui achète des chaussures neuves. Qui trouve chaussures à son pied. Oui, oui. Oh, mais non. C'est un jeu incroyable sur les dictons qu'on a fait il y a 2 semaines. J'ai fait un mix des deux. J'allais te chercher. Ah merde. Je pensais pas que vous l'auriez, putain. Le français en vrai ouais, ça m'a fait chier parce que le mot est simple. Et t'es en mode ok. Mais la Marseillaise, c'était parfait. Hein. C'est vrai. Xari. Ah, un A. Ok. C'est worse. Un A. Y a pas de difficulté. Non, non, je crois que non. Vraiment, tu dis, c'est juste pour du roundup. Moi qui l'ai. Vas-y, vas-y. Un soldat au bazooka. Un caméraman, ouais. Un caméraman. Jette l'argent par les fenêtres. Oh putain. Oh oui. Un A. Il bégaye. Un mec en sueur.
triangle. Un joueur de triangle. Un joueur de triangle. Ouais, pas mal. Ok. Joueur de la console. Qui joue comme un pied. À 2D, il joue à DDR. Il joue à FIFA, non? Il joue avec dans Revolution. Ah, il joue à FIFA. Non, il joue à athlétisme, un jeu d'athlétisme. À Mario Kart, il joue à Sonic. Il joue à Sonic. Comme un pied. Comme un pied. Il joue avec les pieds. Quoi? Mais je l'ai dit, wesh. Wesh. Moi, j'ai dit avec les pieds. Non, mais wesh. Wesh. Mais wesh, je l'ai dit, wesh. Ok. Mais wesh. Dans non, c'est bon, c'est bon. Oh putain. Dans un poulain. Ferrari. Des fourmis dans les jambes. Oh. Oh, c'est énorme. Est-ce qu'on peut avoir une alerte avec la bêtise? Ah non. Est-ce que la caméra est là? Est-ce qu'on peut avoir une petite danse? Ah ouais. Ah ouais. Regardez bien. Regarde, deux profils. Il est là. Voum. Allez. Waouh. Wow. Oh, quelle maîtrise. Et encore, il est à jeun. Il y a eu quelques potions qui sont passées par là. Ah merde. Oh Max. Quel numéro? 3F. C'est légal. Alors c'est dans l'autre sens. F3, oui, du coup. Ouais, pardon, je suis con. Hein. Ok. C'était bon. Moins que toi. Un duo de choc. Elle professe. Ok, on y va. Okay, F3. Let's go. Un vieux. Un vieux. Une vieille. Une vieille. Une personne âgée. Un senior. Un senior. Une personne de grande. Qui chie. Waouh. Qui a une pipi, ouais. Qui attend. Qui quoi? Qui filme. Elle filme. Ah, qui réalise quelque chose. Qui est mannequin. Qui regarde un film au cinéma. Qui pose. Qui est. Ah, qui a un film d'horreur. Un film d'horreur. Oh là là. Qui réalise un film d'horreur. Avec le masque, c'est pas évident. C'est quoi, pardon? F3. Ouais, F3, ouais. Une vieille encore. Un noble. Un bourgeois. Ah non, un berger. Un berger. Waouh. C'est un berger digne. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais plus ce qu'il fait. Ah si. Oh mais c'est impossible ça. Allez, tente-le. C'est un berger. Ok. Qui écrit? Qui joue à la bataille navale? Il dessine. Il dessine les plans. Un mouton. Qui dessine un mouton? Qui dessine un mouton? Un berger qui dessine un mouton. Qui compte les moutons? C'est Nicolas. Non, rien à voir. Un mouton humain. Le AK, c'est le AK, c'est un AK. Un mouton à quatre pattes. Non, c'est un Macarena. Un mouton à huit pattes. Un mouton à cinq pattes. Merci. Introuvable. Un berger qui dessine un mouton à cinq pattes. J'imagine que c'est une expression, je ne l'ai pas. C'est vrai. Tu aurais pu être un caméraman qui dessine un mouton à cinq pattes. C'est vrai. T'as gagné. On fait un petit tour. C'est sympathique ce petit jeu. Mais le berger, comment ça? Non, le berger, c'était OK. C'était le mouton à cinq pattes. Un mouton, mais ouais, c'est bien. Un mouton à cinq pattes. Décortiqué comme ça, c'est bien. Ouais. Mais ouais. Tu connais un truc, un mouton à donc cinq pattes? Sundet, t'as été la première tout à l'heure, c'est normal. Ça, oui. Tu vas voir, ça va rouler tout ça. Ça. Oui, ça y est. Sundet, t'as eu ton training, maintenant c'est 5 à la suite. Ouais. 2E. 2E. Ouais, c'est tellement chiant parce que tu oublies tout le temps. C'est clair. OK. OK, 2E, c'est parti. Voilà. E2. Le pêcheur. Pêcheur. Ok. Ok. Un pêcheur qui tire la carabine. Il fait de la chasse. La chasse au canard. Oui. Il va à la chasse. Oh, ce qu'on a eu tout à l'heure. C'est hey, moins de 10 secondes. On est bon dans le jeu, dis donc. E2, c'est ça? Oui, E2. Allez, vas-y. Ding dong. 5. 5. 5 moutons. 5 pattes. Un mouton à 5 pattes. Un mouton à 5 pattes. Encore? Il dessine un mouton à 5 pattes. Encore le mouton à 5 pattes? Non, c'est un mouton. Ça. Un mouton. Un mouton. Mouton. Qui se fait un tatouage, qui se fait un tatouage de un cœur en tatouage. Ah ouais. Qui se fait un tatouage de cœur. Oui, ouais, voilà, ouais, bon. Un mouton qui fait un tatouage en forme de cœur, d'accord. Ok. Pourquoi technique, pas. Technicos. Et quoi, c'est E2? E2. 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 On sait F3. Je ne sais plus. Bataille navale. Petit. Petit. Un petit. Ah, une souris, un souris, un chihuahua. Ah, un petit chien. Une crotte. Un mille pattes. Un petit. Un truc à trois pattes. Qu'est-ce qu'elle fait? 8 pattes. Qu'elle fait l'araignée. Vite, il reste 4 secondes. 2. Ah, elle joue du violon. 2. Non, mais j'ai plus. J'ai plus. Attends. Parce que les gens imaginent qu'elle n'a pas de main, tu vois. Non, et... ça, ouais. Ouais. Ah, ça, c'était pas mal. Attends deux secondes, faut que je refasse des paquets. Alors, hein, sinon, on est mort. C'est un peu... Hop. Et bien hop. Quand tu fais ça, tu sais. Hop. On imagine cette connasse, là. Moi, c'est un T-Rex, tu sais, toi aussi, t'es arachnophobe? Ouais, je les bute. Je peux pas les buter. Non, non. Je les rejette dehors. Avec une petite pince à araignée.
Moi, je suis pas phobique, mais je les écrase en disant que ça en fera moins. Ils sont trop gros, je les pute. On est d'accord. Ah, moi, je te vois. Allez, donne tout. Je vais te dire. Non, moi, je dis 4A. 4A. Ah, donc, A4. Okay. D'ailleurs, A4, ça, c'est des cons. Ils auraient pu le mettre dans le bon sens quand même. Oui. Mais non, mais c'est parce que nous, on a. On a le droit au cri ou absolument pas. Oui, tu sais, au onomatopée. Ok. Le marsipulami qui se met la queue. On aurait pu. 4A. Allez, c'est parti. Quand tu veux. C'est parti. Ok. Une vache. Un gnou. Une vache. Qui tire à la carabine. Qui tire à mitraillette. Qui fait la guerre. Ah oui, d'accord. Il y a le détail. Bonne travail. A4. Ok. Un chanteur. Un chanteur d'opéra. Quoi. Ok. Qui fait du sport à la perche. Un chanteur qui fait du... Il était bon. Mais en vrai, il avait le petit... Jean Calcon. Ok. 96 à 30. Un motard. Oui. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Qui fait de la calèche. Qui fait du vélo. Du bicycle. Qui fait du vélo, mais... Qui fait du vélo sans les mains. Oui. Ah ouais. Ça parle un peu, mais... Oui. C'est les onomatopées. Ouais, ouais, c'est, ouais. C'est les onomatopées. Quoi? Un rugbyman. Oui. Ok. Qui fait la marionnette. Oui. Oh là 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 là. Mais ils sont bons, ceux-là, putain. Il finit. Un beau gosse. Ah, un ange. Un ange. Un mort. Non. Jésus. Un lutin. Un saint. Non, c'est... Un prêtre. Un roi, un roi. Un roi. Ah oui, d'accord. Un roi. Ah oui, la cour. Oui, bon, je voyais une... Il pêche à la ligne. Il fait de la pêche à la mouche. Il fait de la pêche à la mouche. Oui. Voilà. Bah, dis donc. Solide, solide. C'est à moi. Allez. Vas-y. Très solide, hein. Lui il est bon. Un peu facile. Mais il a n'importe quoi. Lui il est bon. Lui. On lui fout pas lui. En taille zèbre, il est bon. Attention. Ah hein. Oh, putain. Attention les ballons. Vas-y. D2. 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 Je préfère jouer à la plaque en D2 à Sochaux. D2. Ok. Jouer à la plaque. Les lettres c'est mieux avant parce que quand tu joues aux échecs, tu dis. Enfin, ou même à Bataille d'Aval, tu dis B12, C4. Ouais. Tu dis toujours la lettre avant. Bref, c'est des cons. Okay. Vas-y. D2. Gardez les cartes, bonne strat en vrai. Bah, parce que. Tu les perds sinon. Tu te dis sinon t'es foutu. On est prêts? On est prêts. Oh là là, t'es futé, t'es affûté, pardon. Fais les ongles. Une esthéticienne. Une esthéticienne manucurée. Oui, une meuf qui fait des manucures. Une manucure, hein. Ouais, manucure. Ok. Super, c'est sur moi que t'en. Ici. Ici. Qui est constipé. Il fait que. Ah, allez, bien joué. Toi, tu connais la. On lisait la douleur sur son gars. Oh là là là, mais pourquoi c'est. On sent qu'il pousse. Bon bah. Ça ne voulait pas. Une danseuse. Ah, elle fait un camp. Elle fait un camp. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? C'est dommage qu'on n'ait pas été jusqu'au bout. Elle, bah oui. Elle est presque là. Elle balaye. Il passe le balai. Passe le balai. Passe le balai, ça marche. French King can press the ball. Très bon, hein. Encore. Ok. Manucureuse qui quoi qui referme sa veste. Qui s'arrache va... les poils qui s'épilent. C'est pas la première. La première est pas bonne. Non. Ah. Je cherche autre chose. Une esthéticienne. Oui. Okay. Ah. D'accord. Qui du coup. Qui s'est fait. T'as tous les métiers du corps, toi. C'est oui. Pas... Ah oui, oui, elle fait ça. Des claquettes. Ah, des claquettes. Ouais. Oh, je fais bien. Ouais, non, non, vraiment pas. C'était un cauchemar, mais. Ok. Ok. Oh, je le fais bien, il a dit quand même. Nightmare. Hein. Non. Non, attends, attends, on oublie. J'efface. Un glacier. Un maçon. Oui, oh, bien joué. Qui fait quoi? Il fait quoi le mec? Ah oui. Il tire à la carabine. Un sniper. Il tire en sniper. Il fait de la chasse au canard. Il a fait la chasse au canard. Bravo, Xavier. T'es le boss. Vas-y, Xavier. Il y a beaucoup de tirs dedans. Il y a pas beaucoup de. Il y a beaucoup de meurtres d'animaux. Il y a pas assez de cartes en jeu en fait. Ouais. Non mais on en a d'autres des cartes. Il y a pas que ça. Hein? Il n'y a pas toutes les cartes là. En fait, il y a assez peu de cartes parce qu'il y a quand même 6. Il n'y a pas assez de cartes. Des combinaisons. Mais, quand tu vas dire F3. Non, mais attends, il y a 12 extensions derrière. Non, mais ouais, il n'y a pas assez de 20 balles. Il n'y a pas assez de cartes. Eh E6. Jamais été dit. Jamais été dit. Impossible. E6, impossible quand on tombe dessus. Ok, c'est bon. Allez. Ouais, c'est bon, mec. Un basketteur. Il le fait bien. Qui un boucher. Il sort de son sac des trucs. Un camp qui range, qui monte la tente, une course. Qui vide son sac. Qui vide son sac. Ah oui. Qui vide son sac. On le voit. Sort de son sac des trucs. Bah oui. Vide son sac. C'est quoi, vous avez dit E6, E6, man. Oh, on l'a déjà fait celui-là. Ok. Putain, mais on les a déjà fait, ça dégoûte. E6, on l'a déjà fait à chaque fois. Non, mais c'était un. Bref. Un escrimeur. Ah non. Un magicien. Ah oui, un magicien, un sorcier. C'est là, c'est là. Qu'est-ce qu'il fait?
Il conduit une voiture. Qui est pilote de F1. Conduit une voiture. Un avion. Un bateau. Un avion. Ouais, bien un avion. Ah, pilote. Un avion, putain. Non, mais il va faire ce qu'il faut. Oui, fais ce que tu veux. Bon. Quoi le faire ouais. Qui dégueule. Ah non, qui hurle. Qui vomit. Qui. Un chat dans la cage. Ah oui, un chat dans la gorge. J'allais dire qu'il y a un alien à l'intérieur. Vous en fais un petit, Allez, vas-y. Le goaoul. C'est il qui en fait un petit. Le goaoul. Tec ma tes bras. Comment ça va, les gars? Vous avez chaud à l'intérieur. Un flûtiste. Un pipoteur. Une actrice de boule. Ah oui, un tromboniste. Un tromboniste. Un joueur de trombone, je sais pas comment ça s'appelle. Il se mouche. Qui pue. Il fait. Se mouche. Qui se mouche. Se mouche dans les rideaux. Il est enrhumé. Se mouche dans les rideaux. C'est une expression. Ouais, ouais, se mouche dans les rideaux. Ça veut dire quoi? Bah, qui se mouche dans le rideau. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. C'est une expression. Je ne sais plus. Se moucher dans les rideaux, j'aurais tendance à dire que ça veut dire. Là, il y a vraiment plus de carte. Salir. Tout est parti. Je t'invite à franchement prendre le paquet et tout mélanger, sinon ça va être l'enfer. Attends. Non, mais je t'invite à juste regarder les cartes et faire ce qui te plaît, parce que sinon on est dans la merde. C'est-à-dire quoi, se moucher dans les rideaux? C'est pas un truc genre critiquer ta propre crèmerie, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où tu salis ta propre maison. C'est comme cracher dans la soupe. Non. Ah bah d'autres. Cracher dans la soupe, c'est. Bah, cracher dans la soupe, si. C'est quelqu'un mais qui. Tu critiques ton propre domaine. Ton propre domaine. Ta propre réponse. Je vais regarder, ça m'intéresse. Se moucher dans les rideaux. Ils sont trois, chercher moucher. Ça va, ce se montrer. J'ai senti. Ça paraît être logique, hein. C'est se montrer sans gêne impoli. Ouais, ben, c'est vrai que quand tu vois, t'invites un gars, il se mouche dans tes rideaux. C'est pas forcément. T'as juste envie de lui péter la gueule. C'est Elagis qui est actuellement en train de ranger le jeu puisqu'il va reconstruire la boîte. En vrai, en vrai. Directement. Ça va, mec. Il n'y a pas assez de cartes. Il n'y a pas assez de cartes, je leur dirais. Ouais. Alors, en vrai, il y a 25 cartes personnages, 25 cartes actions, effectivement. C'est un peu léger, cela dit, il y a 6 trucs par carte. Oui, mais il n'y a quand même pas assez. Bon, 6 voix de 5, il y a quand même 120 propales, quoi. C'est presque rien, gros. 120 personnages, 120 actions. Oui, bah j'ai envie de dire 150. C'est rien. 6 fois 25. Ouais, ta gueule. Après, j'ai envie de dire. Pas du tout, en plus. 130. 25 fois 6. Raison. Il a raison. 3 fois 25, 75. Wow, 75 fois 2, Capello, 150. On est passé. Le compte est bon. T'as raison, nique ta mère. Vas-y, mon Gigi. Ils sont allés. C'est foutu, tu les as perdus. F2. La musique, on peut plus. Hello. Salut, les mecs. F2. Allez, F2. Non. C'est dur. Allez, c'est parti, c'est pour toi. Boudou, boudou. Un chien. Un Klebs. Un Klebs. Qui dort. À la pleine qui lune. Rêve. Qui rêve. Contre les boutons. Qui rêve de quelqu'un qui rit. Qui rêve de rire. Qui rêve de. Ah, rêve rigolo. Un rêve rigolo. Oh là là, mais. Cauchemardesque. C'est dur à faire vite. F2. Un vieux. Un vieux, monsieur, une vieille. Une vieille. On retrouve notre vieille. Une vieille personne. Qui prie. À une religion. Oui. C'est de la merde. Vas-y. Fais les trucs drôles. Choisis ce que tu veux, gros. Ouais, c'est clair. Fais ce que tu veux. Bien joué, gros. Personne t'a vu. Un chien, un cabot, un maître, un vétérinaire. Ah, oh, yeah. Oh là là. N'a pas de bras. Un vétérinaire qui du patin à glace. Du roller. Je faisais mieux le roller que toi. Franchement, pas mal son patin à glace. Ah. Il était. Tu peux nous faire un virage en patin à glace? C'est chaud, tu sais, tu mets une vrille. Attends, j'en ai un là. Bah vas-y, t'inquiète. Un fantôme. Qui traîne les vaches. Qui traîne les vaches. Oh. Il a compris son acte en mode. Les gars. Est-ce qu'on sent tout le terroir de Gigi? J'ai pas le micro, mais j'ai fait en mode. Quoi. Ah, on sent le. C'était une batterie la vache. Laisse tomber. Tu t'es entraîné, non? Ouais, j'ai bossé. Tout ce que vache, j'ai bossé. Et après, ah, ouais. Parce que ça y est, ça commence à être lourd. Trier les mains. Me traire les mains, me trier. Tu connais. Et moi, je suis à côté, je regarde. Check meumeu. Oh, du bon lait. Check meumeu, tu connais? Non. Je te le fais vite fait. Oh non, il va me faire une. Ok, Adrien. Tac, tac. Mets tes mains comme ça. On dirait une blague de la. Voilà, c'est quatre. Allez.
Et tout de suite, Maxime. En colonie de vacances, ça cartonne. Carton jaune. Je me suis senti souillé. J'ai regardé si quelque chose avait coulé. Mais attends, refais, j'aime bien. Qu'est-ce que je vais faire, moi, je sais plus. Mais quelque chose sur ta peau, tu es très doux. Petite crème d'amande. Dessin, si t'as rien. Dessin, si tu veux. Et Max, au point, non. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, mais Max. Et Max, on part sur la dingue. Ok, on y va. Oh là là. Et top. Alors. La dingue. J'ai plus de batterie. Un laveur de vitre. On est condamné à prendre la vitesse, évidemment. Condamné. Qui casse les œufs, qui fait des gâteaux de la pâtisserie. Qui casse, qui marche sur les œufs. Qui casse les œufs, qui marche sur les œufs, ouais. C'est bien au son, vous êtes bien, Arthur, là. Un rappeur. Il dit que sa mère. Un sorcier. Un sorcier. Un savant fou, un savant fou, un alchimiste. Chimiste, c'est ça. C'est un chimiste, ça. Ouais, c'est un chimiste. Il fait quoi? Il fait quoi, ce bâtard? Je vais trouver le remède au Covid. Un chimiste qui joue à cache-cache. Oui. Oh là là. Oh là là. Allez, dernière. Allez, vas-y. Allez, dernière, parce que bon, au bout d'un moment... Ça va bien. Un tour chacun, c'est bien. Non, deux. Non, un, deux, c'est pas. Un trop, pas assez. Il n'y a pas cette carte, juste. Un politicien, un ministre, un politicien, un bon président de la République, un candidat, un négociant en vin, un bourge, un bourgeois, un François Balkany, c'est Balkany. Qui fait un PDG, non, un chef, un émir, un chef d'entreprise, un émir, un ministre, un roi, un diplomate. Putain, un connard. Vas-y, refais-le. Un juge. Vas-y, retente. On est un avocat. Merci. C'est un avocat. Il a fait une robe, mais c'est un peu de la merde. Je sais plus ce qu'il fait. Ah oui, si. Qui a peur? Un monstre. Un dragon. Comment un dragon? Qui combat un dragon, qui fuit un dragon, qui caresse un dragon, qui lèche un dragon, qui chevauche un dragon. Qui chevauche un dragon. Chevauche un dragon. Il monte un dragon. Oui, qui dompte un dragon. Oh là 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 là. Bâtard, tu fuis. Putain, t'as pas. Magnifique. Bon, l'avocat. L'avocat qui n'a pas convaincu. J'étais au barreau, je demandais. Je pensais que t'allais faire le magistrat. Objection. Objection. Ah ouais, j'ai pas pensé. J'ai jamais joué à ce jeu, j'ai pas pensé, j'avoue. Maintenant que tout le monde est chaud, à pouvoir passer à la danse. La plein de résistance. Oh la dingue. C'est win. Non, pas du tout. C'est qui le plus fort? Range ça. Je veux pas le mec que tu le fous. Pourquoi il est pas là-bas avec l'autre lui? C'était au cas où. Mais je merde. Tu connais le mot cul, mais avec des jeux de société. Bon, top 10. 18 plus du même éditeur. Oh. On a déjà fait un top 10 la dernière fois, ça marchait bien. Ça sort en juillet, donc n'espérez pas le prouver tout de suite. Oh, nous avons l'exclusivité. En janvier. En juillet. Ah putain, j'étais en mode. Les gens de top 10 qui nous regardent alors. On l'exclut. On va voir si ça marche. Voilà, donc déjà vous avez. Eh bien, on va déchirer leurs règles. Le papier noir, ça change tout. Il y a toujours les petites licornes et les petits caca, sauf que la licorne est marquée maintenant censurée. Bref, on s'en fout. Vous avez des cartes noires à la place des cartes vertes. Pour l'instant, ça change pas grand chose. Évidemment, tout l'intérêt, c'est que dans le contenu, il y a des choses un petit peu. Alors. C'est pas au niveau du truc que t'as lancé en premier. C'est-à-dire que ça reste quand même bon enfant. C'est-à-dire que c'est 18 plus, mais tranquille. Il se trouve quand même Prouve-le. Que j'ai trié certaines questions. J'en ai même un petit peu réécrit. C'est toi qui les as triées? C'est moi qui les ai triées. On est baisés. On est baisés, les gars. C'était trop fin de carrière. Fin d'émission, fin de live. On peut bien le stream quand même. Bon. Ah, lui, il en a déjà trouvé. C'est foutu. Non, parce que je les ai triés. Bruité, un cunilingus. Alors attendez. Non mais c'est pas dans son tri, ça. Oui, c'est celle qu'il a dans les mains. Bruité, un cunilingus de discret à bruyant. Le clébard entre les cuisses. Arrête. Ils sont barrés. J'avais trois, tu sais. Mais la dingue. La régie, On va se régaler. Hein. Non, alors en plus, j'ai voulu commencer petit. J'ai voulu commencer mignon, d'accord. Tu les as écrites, en fait. En fait, je les ai réécrites. Du coup, on va pas utiliser les cartes. Tu les as réécrites pour les mettre dans le contexte. C'est bien ça. C'est ça qu'on veut. Attends, t'aurais bossé. Attends, tu t'es fait vacciner? Non. Oh, je vais te faire mal. La carte que tu as mis avant, c'est baisé. Une deuxième dose. Donc, on va alterner. Parce que dans celui, il peut y avoir des trucs oraux, il peut y avoir un peu de théâtre, il peut y avoir... Et il peut y avoir des mimes. Donc, j'ai un petit peu...
Il me fait un Kenny tout c'est à l'heure, le ton. Je reconnais. Je reconnais le 6 Sunday. Tu reconnais le 6 Sunday. Bon, le 8. Oh, moi, c'était le 9. Hey, j'ai pas sélectionné cette carte, moi. J'ai pas sélectionné cette carte. Bon. Ouais. Sonnet est parti. Bon, Sonnet revient avec nous. Il y a des souvenirs en ma gauche. C'est pas moi là. Non, là c'est pas moi là. Mais moi j'ai voyagé. Ah, le mec, le temps. Bon alors. Bon. Donc, quelles sont les news? Venez comme vous êtes. On va commencer tranquillement par un petit peu d'impro. Salut. Qui n'aura rien à voir avec le Q ou quoi que ce soit, d'accord? Ah. Parce que dedans, il y a aussi des trucs qui, voilà, sont juste, ça peut être juste une extension du top 10, d'accord? En vrai, si vous triez un petit peu, ça peut même être jouable avec les enfants, mais triez bien avant, parce que quand même, des trucs que t'as ri, comme vous pouvez le voir. Et papa, c'est quoi qui... Imaginez, je vous mets donc dans le contexte. Vous êtes lors d'une soirée en tête-à-tête, et il y a un pote relou qui vous appelle, et qui veut s'incruster à votre soirée. Imagine, refais l'eau, s'appelle. Exactement. D'accord. Je vais faire celui qui vous appelle, ok? Et puis on verra comment vous réagissez. Je vais donc évidemment vous distribuer les cartes de 1 à 10, il va falloir faire en fonction de ça. Et pourquoi on a des petites ardoises? J'ai essayé un petit peu de level up un peu le truc. Oh. Au lieu que ce soit à une personne de remettre, eh bien chacun va essayer de deviner le numéro des autres. Et comme ça, on pourra voir qui est le plus accurate parmi tout le monde. Ah, tu veux dire qu'on doit deviner tous les numéros. Comme t'es oufissime, t'as même préécrit les noms des participants. Non, pas du tout. Bah, non. Autant sur les sièges, on j'ai a bien fait en gamme, mais là, on a augmenté là-dessus quand même. Hein. Oui, il y en a deux. Et j'ai bien fait parce que j'ai dit à Xari, mets-toi là, il s'est mis là. Donc, de toute façon, j'ai bien fait. Ok, donc je vous distribue les petites cartes. Max. Ah, c'est bien. Non mais en fait, le truc c'est qu'on va tous passer, d'accord? On n'est pas obligé d'écrire le nom, je crois. Mais si, parce que ça va être c'est Sunday la dame là-bas. Oui. D'accord. Non, vraiment, c'est pas vrai. Toi, tu t'appelles Ted? Exactement. Non, mais si tu cherches, je te le donne. c'est pour moi. Tiens, ta petite carte, attention évidemment de ne pas la révéler. Tiens, tu en fait, on s'en fout de l'ordre, on écrit juste les noms des mecs et en face on met leur numéro. Il y a 2 semaines, 3 semaines. La dernière fois, t'es fait. Oui, c'est ça. Tu peux rappeler la carte? Oui, t'as été formidable, le chien qui traverse la rivière. T'as été formidable. Tu peux rappeler la carte, gros? Je peux rappeler. Mal au cœur que ce soit. Un excellent clef. Je répète, lors d'une soirée en tête à tête, un pote relou vous appelle et veut s'incruster. Soit vous avez le plus proche de 1 et vous êtes. Merde, c'était quoi? C'était où? Excusez-moi. Voilà, vous êtes trop sympa avec lui. Mm-hmm. Plus vous avez 1 et plus vous êtes en mode ok, vas-y, gros. Et plus vous avez vers 10 et plus vous le défoncez. Ok? C'est moi qui vais vous appeler à chaque fois, comme ça vous avez un interlocuteur à qui s'adresser. T'as fait ça mieux. Alors, sache. Mon frère, que tout ce que je vais dire, évidemment, ce ne sera pas pour toi. Quoi. Non, mais vous savez, comme les plumes d'un canard, défoncez-moi, ne vous inquiétez pas, je prendrai ça bien, sauf toi, Xavier. Comme les plumes d'un canard? Oui, c'est comme l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard. Ah. Et ben, cette expression. Allez, Max, va commencer. Donc, Max, j'y vais. Donc, Max est en tête à tête avec Mike, on embrasse. Je t'appelle. Allô? Ouais. Ouais, Max. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je suis pas très loin de chez toi là. C'est encore l'autre loup. Je suis pas très loin de chez toi. Je me demandais, il y a moyen qu'on passe là? On passe une petite soirée ensemble? Ouais, t'es loin là. Bah, je suis en fait en face de chez toi quoi. Enfin, ah, je viens de me garer là. Ok, gros. Bah, c'est quoi, je te dérange pas. Non, t'es toujours le bienvenu. D'accord, ça marche. Bah écoute, bah tout de suite alors. Eh bah tout de suite, mec. On applaudit. Ouais. Et, allez, gros, attends, qu'est-ce que tu cherches haut, là-haut. Plus on doit l'envoyer chier. Plus c'est haut, plus tu l'envoies chier, plus c'est bas, plus t'es malade, gros. Excusez-moi. Putain. Okay. T'es un bon pote. Un bon... Ah oui, c'est bien. Là, c'est attention. Bon pote, là. Ok. Bon, bah, bon, ouais, ok, mais... 2-3, sinon il a 3. On tourne comme ça. Ouais, on va tourner comme ça. Vas-y. Ted. Ted. Attends, tu veux le faire. Ah, vas-y, non, fais-le. Allô. Allô. Ah. Attends, c'est l'autre con là, Max, comment ça va? Eh, hey, Ted, je suis content de te voir, ça va? Ouais, je suis détente là. Écoute, je t'appelle parce que j'ai un petit souci. En gros, hein? Bon, je te la fais courte, j'ai besoin de crêcher chez toi ce soir. C'est jouable ou... Ce soir. On s'était bien marré en plus la dernière fois. Hein eh ben oui, mais ouais. Oui. Attends.
Allô, alors, Ted. Oui, ouais. Non, mais attends. Alors, ce soir, c'est pas possible parce que j'ai ma belle famille qui est à la maison. Mais ça me dérange pas, ils sont hyper cool. Où c'est le shampoing? Tu les entends, t'as vu un peu, c'est le bordel. Ouais, bah, si tu veux, j'ai du shampoing en vrai, on peut se, ah, oui, se débrouiller. Non. Merde. Attends. Vraiment, je suis pas loin en plus. Hein. Y a plus de place dans le lit, chérie, t'es sûr? T'es enculé, ok. C'est compliqué, oh, là, tu sais, je prends pas de... bon, t'es sûr? Raccroche, j'ai la moquette. J'ai la moquette. Ça se finit à un moment, raccroche. Hein. Bon, bah, va te faire enculer. Elle a dit ça. Je suis parti en direct info, là. Ouais, mais on s'amusait bien. J'allais embrayer. Hey, je suis Kenny Crotin. Et maintenant, la bonne. Passez avec le chapeau. Sonda, tu vas te faire appeler par Jiraï. Je voulais le mettre dans le mal, je voulais voir jusqu'où il allait. On était dans la sauce. Oh, très bien, Arthur. On n'a pas eu ça, décroché. Oui. Mais allô, Sunday, ça va? Dis-moi, Gige. Est-ce que je peux venir? Venir où? Ok, ça, je m'en bats les couilles. Est-ce que... Yo, yo. Oui, allô? Oui, allô? Désolé. Hein. Non, oui, est-ce que tu peux m'héberger ce soir? C'est la merde. J'ai pas plus de détails. Enfin, je veux dire, tu pètes un peu les couilles, quoi. Je suis désolée, mais bon... Pourquoi il faut te... Parce que voilà, je suis bloqué, tous les transports sont dead, toute ma famille vient de périr dans un accident. Tu sais, Gilles, la marche à pied, ça fait grave du bien. Donc, tu sais quoi, tu vas marcher jusqu'à chez toi, tu vas avoir le temps de réfléchir à ta vie et tu vas arrêter de me péter les couilles, d'accord? Hein? Ça marche. Ma famille vient de mourir quand même. Oui, mais écoute, mon fils, il m'est arrivé des choses tristes aujourd'hui. Je vais te faire à l'hôtel vers Gare du Nord. Écoute, Gigi, tu me pètes les couilles. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. On s'appelle plus tard. Ciao. Oh, oh, ah, oui. Bien, ah oui, ça s'applaudit. Bravo. Non, mais arrête. Ça s'applaudit. Je t'appelle, Gigi. Non, non, non. Parce qu'il faut que vous soyez sur le même plan. Donc c'est. C'est Sunday qui m'appelle. C'est moi qui t'appelle. Imagine. Mais attends, Sunday. J'appelle Kim. Je me perds. Oui, désolé. Oui, t'aurais dû m'appeler, je suis désolé. Désolé. La prochaine. Une semaine plus tard, Sunday, c'est toi qui es dans la dèche. Tu appelles J. Non, mais c'est plus le même. Hein, parce que... Ah ouais, connaisse. Oui, allô? Salut, Gige. Ma famille est morte. Ça n'a pas changé. Ça s'en prend dedans. Le but du jeu, il reste dans son personnage. Oui, Santé, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci? Oh, bah, tu régales. Moi aussi, ça me fait hyper plaisir. Dis donc, t'aurais pas peut-être, je sais pas, une petite place éventuellement chez toi ce soir? Parce que je suis un peu en dèche. Écoute, je vais checker. Tu me laisses une petite seconde. Ça y est, j'ai checké. Écoute, ça tombe bien. Ma fille... vient d'avoir un lit superposé, tu peux peut-être dormir juste en dessous si ça te dérange. Enfin, mec, c'est incroyable, t'es vraiment un pote. Merci. D'accord, mais je te préviens, elle ronfle un peu la nuit, va peut-être hurler vers 3-4 heures du matin parce qu'elle a un syndrome dit de la toutou, de la toulette. Elle se met à hurler toute seule. donc voilà, commun, t'es toujours la bienvenue si tu veux venir. Écoute, ça régale, t'es un frère. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. T'es sûr, hein? Écoute, je vais faire avec. C'est ça, Webega, donc... Il n'y a pas de souci, à très vite. Bravo! Au revoir. J'applaudirai tout le temps. Non, je serai vivant. Moi, vivant. J'en ai rien à foutre. Des applauses, si tu veux. J'en ai rien à foutre. Oui, la prochaine, oh, Arthur, dis-moi les applaudissements que je me sente pas trop seul. Voilà. Zari. Allô. Oui, Xav, comment ça va? Ça va. Ta gueule, ta gueule. Écoute, ouais, j'étais du côté de Levallois, là. Oui, vas-y, dis-moi, mec. De Levallois. Ouais. Et en fait, j'ai plus d'essence, je peux pas rentrer chez moi. Est-ce qu'il y a pas moyen? Enfin, j'en ai un peu marre. Il y a aucun souci, gros. J'ai un nouveau deck Wajik, là. Tu veux venir? Trop bien, gros. Tu connais mes bails, en plus. Ouais, ouais. Viens direct. Attends, j'arrive. Ah, tu m'ouvres et tout? Non, je viens de chercher. Qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse? Tu veux aller quelque part? Parce que en vrai, chez moi, c'est pas ouf. Tu veux qu'on aille genre à Ibiza, un truc comme ça? J'ai un jet.
En tout cas, il est sympa. Non, mais j'avais prévu de manger avec une conne là, mais en fait, si tu le proposes, bah avec plaisir. Écoute, mais tu veux. J'avoue que ça m'étonne parce que j'ai appelé Max, je me suis fait embarrer et toi, t'as l'air. Super. Non, mais t'inquiète, j'arrive, je ramène ouais. Tequagic, ça te va? Ouais, vas-y, bah. Et puis on se fait une petite pizza à Rome. Eh bah écoute, je sais pas te demander. Bah écoute, vas-y, à toutes, vas-y, j'arrive. Bisous, ciao, ciao. Putain, il est bon. Oh, le frère! Ah oui, la base est... Je pense, maintenant, dans la... tu nous as pas dit, mais en fait, dans la version noire, il y a une carte zéro, c'est ça? Je sais pas, mais effectivement, c'était quand même pas mal. Le frère, hein. Xari, une semaine plus tard, tu m'appelles. C'est du côté d'Herblay. Ouais. Bah, j'attends la sonnerie. Ouais, allô, Rof, ça va? Ouais, ça va, ça va. Je voulais te parler de ma dernière game de LoL, là. C'est assez chaud, gros. J'ai joué Warwick, frère, et j'ai raté mon ulti 3 fois de suite. Je me suis insulté par le jungler. Je peux t'arrêter 2 secondes? Ouais. Enfin, moi, LoL, je m'en fous un peu. Là, je suis un peu occupé, je t'avoue. C'est notre temps de mariage avec ma femme. Et du coup, je suis en train... Laquelle? Enfin, celle que tu connais d'habitude. Ah, ok. Jocelyne? Non, l'autre. Ok. Et donc, du coup, bah ouais. Ouais, mais là, c'est chaud parce que j'ai raté le smite quand même sur Nashor et tout. Ah, ouais, ok. Mais juste, pourquoi tu m'appelles en fait? Gros, il y a un Rengar 8-0. Il n'arrêtait pas de me bouffer et tout. C'était chaud. je me suis dit, peut-être qu'on pouvait peut-être faire un truc, quoi. Mais juste, t'as besoin que je t'héberge ou pas? Parce que c'est quand même la carte à la base. Non, pas du tout. Alors, tu fais quoi? Théâtre d'impro, monsieur, tu fais quoi? J'aimerais bien. Honnêtement, j'ai plus de coups, j'aimerais bien pour lancer une nouvelle game. Ah. Tu m'héberges peut-être. Bien joué. Eh bah écoute, ça me dérange un peu. Parce que là, tu m'appelles un petit peu à l'improviste. C'est vrai que j'avais une soirée d'organiser, donc. Allez. Ça m'embête et en même temps, ça m'embête de faire ça à un ami. Ça t'embête genre, on peut se considérer comme ami non, ou pas? Mais, par exemple, ça t'embête sur combien sur 10, tu dirais? ni beaucoup, ni pas assez, tu vois ce que je veux dire? Un truc qui serait un petit peu... Voilà, okay, bon, je me sens un peu écartelé entre toi et... J'ai lancé une gamme là, tiens. Ok, merci. Ouais, GG, clap. Attention, donc là, on va devoir remettre... Les... Même pas dans l'ordre, en fait, on s'en fout. On va juste essayer de voir qui a quoi. Et on va commencer dans l'ordre. On va le dire oralement, si on le montre, c'est un cauchemar. Ouais. Et moi, parce qu'en fait, moi, dans mon idée, on disait « Ok, Max Hildan, rappelle-nous, t'as fait quoi ?» On notait, on faisait « Tac ». Ça va durer très longtemps. Mais c'est trop long, quel cauchemar. Demande-moi. Au moins, le note, c'est bien. C'est con, il avait fait les cartes sur l'ordi. On était à ça. Alors, Max. Tu veux que je te donne tout mon classement? Ouais, vas-y. Ok, j'ai mis Xari, je lui ai mis la 1. Bref, attends, je te mets dans l'ordre. Xari 1, pardon. Je mets tout le monde sauf moi, d'accord. Ensuite, j'ai mis Jiraya, excuse-moi. Ensuite, j'ai mis. On est à combien? À 5. Ensuite, j'ai mis Rof à 6, Ted à 7 et Sunday à 9. Non, je me suis gouré Ted. C'était Rof que je voulais mettre à 3. Vas-y, Ted, t'as mis quoi? Max 3, Sunday 9, Gigi 2, Xari 1, Rof 6. Ok. Sunday? J'ai mis Xari 1, Max 3, Gigi 4, Rof 5, Ted 7. Ah oui, j'aurais dû faire dans l'ordre, je suis un connard. Très bien. Alors. Moi, j'ai mis Xari 1, Rof 5, Max 6, Ted 7, Sunday 9. Moi, j'ai mis Max 3, Rof 4, Gigi 5, Ted 7, Sunday 9. Moi, j'ai pas fait parce qu'en fait, je pensais pas faire ça. Oui, mais de toute façon, là, après un tour, c'est ta chute. C'est ta chute. Mais oui, mais c'est parce que c'est pas ça qu'on allait faire. Non, mais c'est pas comme ça. Prof, c'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est bien. Sauf moi, Xari. Attends, je te j'allais dire. Max, ça, c'est pas bien. Mais ton truc, c'est trop long. On en sait rien. Mais si, on sait. Ça, on est d'accord, c'est pas bien. Si on sait, ça fait 10 ans qu'on fait ça. En fait, dans un jeu, les gens s'en battent les couilles des scores. Ils veulent juste jouer. Ils veulent juste nous voir mimer. Ils veulent pas savoir 1, 3, 4. Ils s'en battent les couilles. S'en fout. Donc, toi, tu fais ton classement comme d'hab. Mais après, j'avais fait une moyenne. Non, mais c'est pas grave. Tu as fait des graphes et tout, j'avais un Excel. Les gens font la moyenne chez eux. Bien joué d'avoir essayé, mais tout le monde s'en fout. Et bah, même sans les trucs, en gros, c'est pas compliqué. Je vais commencer moi. Combien vous pensez que j'avais? Toi, t'avais dit combien? J'avais dit que t'avais 6. Okay. Qui a dit pareil? Non. 5. J'avais le chiffre 5. Voilà. Il y a carrément des jingles à chaque... Oh là là. Non, c'est en fait, la semaine dernière, on non, mais de base, qui avait la carte qui de base la... Bah, c'était Rof. Juste toi, fais ton truc et ferme-la. Allez, dis. Mais moi, je fais le truc de base. Écoute-le. Pitié, fais le truc de base. Bon, d'accord. Max, t'avais... Rappelle-moi vite fait, parce que c'était au début. Mais c'est pas comme ça. Gros, tu connais plus le jeu. Tu commences par le 1, donc c'était moi. Et après, tu fais les autres. Oui.
Tu connais plus ton jeu. Monte crescendo. Il a raison, il a. C'est d'abord moi. Si, d'accord, d'accord. Et d'abord après, toi. Ok. Ensuite, Max. Max, rappelle-moi ce que t'avais fait. C'est le meilleur. J'avais fait un truc en mode. En mode. Ok, gros. Ok. J'accepte. C'était ok, tiers. On va pas refaire. C'était Max après. Non, c'était pas Max après. Si, si. Non. C'est Max, il y avait 3. Et si, parce que j'avais vraiment 2, quoi. Donc. Mais 2, mais t'as chié sur le mec au téléphone. Bah ouais, c'est clair. Non, à la fin, il a accepté. Oui, mais à la fin. Il a dit, gros, il a vraiment dit. Mais il a accepté. Oui, t'es en mode carreau. T'as soufflé, frère. Moi, je pensais que t'étais à plus de 5. Là. Non, attends, la carte, elle dit un ami relou vous appelle. Ah, c'est relou. Mettez... Bah oui. Ouais, donc, mettez votre réaction. Un, vous êtes un pote sympa. Bah, un pote sympa, c'est. Ok, gros. Mais même s'il est relou, si t'es sympa, tu lui fais pas sentir qu'il est relou, tu vois. Il est sympa. Bah, oui. Là, t'as forcément. Ok, ok. Attends, moi, j'ai un pote relou. Un pote relou, je suis pas là en mode. Oh, mon frère, je me suce la queue. Non, mais non, pas du tout. Déjà, un pote relou, tu décroches pas. Tu te dis. Oui, bon, ensuite, c'était Gigi, je crois. T'étais plutôt cool. Moi, j'étais à 4. Ok. Ensuite, c'était moi, donc 5. Ensuite, je pense que c'était Ted. Yes, moi j'étais à 7. Oh putain, j'ai 7, mis 7. Ok, pas mal. Et ensuite, je pense que t'étais à 9. Oui, ah j'étais oui. À 8. Ouais. T'as 8. Ah oui, j'aurais pu faire bien. Je me demande à 10, qu'est-ce que t'aurais dit, tu sais. En bah, plus, j'aurais dit d'aller niquer sa mère, d'aller rejoindre sa famille. Non, j'aurais fait juste... J'aurais oui, ouais, c'est ça, ciao, dégage. On va faire un petit mime. Vous allez là-bas. Ah, oula, la danse. Alors, vas-y, tiens, prends les cartes. Vous arrivez, vous faites le... Oui, rendez-moi les cartes. Vous faites le coup du tribunal, de l'avocat de Max, là, avec la robe. Ok. Vous vous levez. Vous pointez un joueur du doigt en annonçant « Cette personne est coupable. » Plus vous avez vers 1, plus je suis vraiment pas sûr. Plus vous avez vers 10, il n'y a aucun doute. D'accord. Vous levez, vous arrivez dans la salle d'audience et vous dites « Cette personne est coupable. » Ah oui, comment tu dis cette personne ? Rien d'autre à dire, t'as pas à étayer ton propos. T'as pas étayé, c'est juste en fonction de comment tu fais. L'intonation. T'es tranquille. Ah, tu dois pas dire non. Cette personne est coupable parce que non, je crois que machin, c'est juste. Okay. C'est juste dans parce qu'on me l'a dit. Ben non. Est coupable. C'est ah, d'accord. Dans le ton de la phrase, okay. On doit sentir si t'es sûr ou pas sûr. Ah ouais, chanter. C'est bien ça, c'est bien ça. Pas mal, pas mal. C'est très dur. T'es tranquille. C'est très dur, mais on va voir l'intention que tu dégages. Ça qui va être beau. Toi, t'as un regard un peu sexuel, Xavier. Donne-nous du sexe. Merci. C'est alors, de 1 à 10, 1, c'est vraiment, t'es pas sûr. Et donc 10, 1, c'est vraiment, ouais, 1, vraiment, tu bégayes. Et 10, allez, par contre, c'est sûr que ça... Non, bah du coup, commence, puisque si c'est moi qui fais le truc. Bah. C'est toi qui, ça c'est toi qui va noter à la fin, hein, Max. C'est toi qui notera. Ok, si tu veux. Allez, c'est parti. Alors, attends, j'ai quoi ? Ça. Bah, après, on s'en fout. Allez, t'ouvrons les grands, les portes du tribunal. Sale histoire. C'est parti. Ah, oui. Ah mais... Il fait le replay de champ. Il fait une entrée de champ, effectivement. Allez. Il est coupable. Ok, ok. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Bien, c'est bien, c'est bien. Ted. Ted. Allez. Choisis qui tu veux. On y va. Obligé d'aller derrière. Ouais. Hein. Ouais. Dire, ça casse. Je comprends qu'il veut suivre l'exemple. Non, mais l'idée était bonne. L'idée était très bonne. Cette personne est coupable. Voilà, tout Webedia est au courant. C'est dommage parce qu'on est sorti du champ, mais nous on y a ouais, perdu. On l'a entendu. J'ai plus de voix. Vous avez compris l'intensité. Ça me fait vraiment cru que c'était coupable. Moi, je sais pas ce que j'ai fait, mais je suis coupable. Il y a pas de soucis. Faites-moi ce que vous voulez. Tiens, va toi-même en prison. C'est bon. Sunday, vas-y. Let's go. Let's go. Let's go. Cette personne est coupable. Oh. Elle a donné du cœur. J'ai fait deux gouttes. J'étais fébrile. On commence à hurler, j'ai cru à la rupture d'anévrisme. Je suis le Batman. C'est qu'à dire pour le roi. Oh, je vois les chevaux et tout, l'armée des morts. C'est terrible. C'est terminé. Régalé, hein. Restez chez vous, quoi. C'est toi le coupable. Et tu pars comme ça. Alors on va mettre une petite règle. Essayez de rester sur les scotchs au sol si vous êtes en train. Ah oui, pardon, excusez-moi. Y a pas de problème. Ok. Dari, on va pas être à la place de son suspect. Tu es coupable. Oh le bon sac. Oh le bon sac. Bien mangé. C'est coupable. Coupable. Ouh le coupable.
Son style est coupable. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur le scotch? J'étais allé trop loin? T'étais beaucoup trop loin. Cette personne est coupable. Ok. J'ai un peu l'impression qu'on a fait notre sauce et on s'est à peu près compris. Mais tu vois, la question c'était à quel point vous êtes sûr, et je crois qu'on a fait à quel point vous êtes vénère. Tu vois. Ouais, mais c'est pas plus t'es vénère. À quel point j'étais sûr, hein. Oui. J'étais pas vénère, j'étais en mode. Moi, j'ai combattu. Grosse merde. Préparez vos cartes. Toi, t'étais grave. Puisque Maxildan va essayer de nous foutre dans l'ordre. Alors, Maxildan. Qui c'est qui va mettre celui-ci? Jiria, en premier. Bah, bravo. Jiria avait le numéro. J'étais à 3. 3. Yes. Suivi de. Suivi de Roth. J'étais à 4. Oh putain, oh, pas évident. Suivi de moi. Qui était à. 5. 6. Pour l'instant, on est sur imperfect. Attention, si on comble. Le suspense. Ah, faut que tu joues méta en vrai. En vrai, là, y'a pas de. Zari. Ouais. Ah oui. J'avais 8, mais je voulais pas faire le mec qui crie, quoi. Donc. Ouais, voilà. En fait, c'est juste en mode sûr. Et je me suis dit, est-ce qu'il a pas crié parce qu'il est tellement sûr qu'il n'a pas besoin de crier? Oui, il a le 10. Oui. Non, je pense que juste Sunday. Sunday, elle a vu peut-être crier, elle était en mode merde. J'ai un plus. Sunday était numéro 9 et Sunday était dans la merde. C'est exactement ça. On a vu la veine bleue sur Sunday. Je t'ai vu faire ton truc, j'étais là. Oh shit, il va falloir monter. Comment je vais faire au-dessus, tu vois? T'aurais fait quoi, toi, à 10? J'aurais dit bien, moi. À 10? À 10, je pense que je serais direct sur ta gueule. En direct. Bah, démarrer. Front contre front. C'est J'aurais été lui, mec, j'aurais été lui. Je t'aurais backup. Non, c'est... Ok, j'aurais dit, merci de me rendre vos cartes. Rendez les cartes et on passe à la suivante. Oh, je suis désolé. Oh, je suis bien rendu. Alors, du mime. Ah, ouais, ah, j'aime bien alterner. Et là, c'est le moment où j'allais commencer. Il est, c'est bon, les enfants sont couchés. Ah, c'est la question. 21h30 quasiment. Les enfants sont couchés. Alors, mime un anulingus. Du plus poilu. Oh non. Au moins poilu. Et là, tout le monde est à le rideau. Alors Mimé, une pipe baveuse. De la plus bruyante. Bon, allez. De la plus Mia Khalifa. Hein. Oh non. J'ai rien. J'ai rien fait pour ça. J'ai mangé pepperoni avant. Je peux pas. T'as tout mangé, gros. J'ai mangé la moitié, je m'en suis gardé. Quand je pense que vraiment j'y allais mollo avec mes questions et qu'on sort des dingues, alors bon. Mais okay. Parce qu'en fait, on va pas vraiment le mimer. Oui. Non. Parce que c'est toujours. On y viendra. C'est une vanne, quoi. Allez, vas-y. Ok. Racontez. Vous avez fait un stage aux urgences et quelqu'un est arrivé avec un objet coincé dans le rectum. Oh, ça va. Vous allez. Classique. De 1, le moins grave. 10, le plus grave. On est déjà. Dingue. Tess, c'est toi tellement, qui. J'ai tellement d'idées. On commence avec Tête, du coup. On commence avec Tête, donc, okay. Donc tu nous racontes, là, on est à la pause d'âge, d'accord. Et t'es en train de nous raconter. C'est l'item le plus petit ou plus grand ou plus... C'est, bah, l'objet où en gros c'est ok, bah ouais, enfin c'est what, c'est pas grave, quoi, tu vois. À la grosse dinguerie, évidemment. D'accord. Donc voilà, donc on a tous fait un stage aux urgences, on raconte un petit peu ce qu'on a vu. Ok, Ted. Et où ma carte? Vas-y, mon bro. Hier, j'étais aux urgences. Et juste avant moi, le patient, il s'est retrouvé avec le préservatif de son cum dans le rectum. C'est-à-dire que son cul a aspiré la peau de saucisse. Et hop, c'est parti dans le cosmos. D'accord. Voilà. Eh bah, c'est pas bravo. Mais stop. Bravo. 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 Et retrouvez-nous avant c'est en belle année 12. Quel enfant. Bon. Ah tu es mort de rire. C'est parce que depuis tout à l'heure, j'ai une scène en tête, pardon. Ça vous fera pas rire en plus quand je vais la faire, mais vas-y. Sunday, toi aussi, il paraît que tu as travaillé dans les urgences à un moment donné, tu as dû voir des dingueries. Ouais, j'ai fait un petit stage dans les urgences. Bon, écoute, qu'est-ce que j'aurais quand même dingue. Ah oui, si. L'autre jour, le mec, il est arrivé. Et radio, non pas un thermomètre, deux thermomètres dans le cul.
Je sais pas pourquoi deux, mais en tout cas... Essaye de projeter la serrure. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il donnait la même température? C'était peut-être pour les... C'est technique. Pour j'ai les... pas été pencher le nez sur ce détail-là, je t'avoue, mais écoute, en tout cas, il avait besoin d'être vraiment sûr. D'accord, okay, très bien. Oh la vache, c'est dingue. Oui, pardon, j'ai oublié. Oh, désolé. Oh. Okay. Gigi. Alors... Je viens parce que cette personne susnommée à ma droite a un objet dans le fiac, je racontais cette histoire. En fait, elle était un peu malade et donc on avait lui donné un suppositoire. Sauf que j'ai pas fait gaffe dans la précipitation, on a sorti la boîte, j'ai mis un suppositoire, je croyais que c'était un suppositoire et en fait c'était quoi? Une fève de Johnny Hallyday de la galette. Et du coup, le problème c'est qu'il est en train d'allumer le feu. C'est morouille. C'est coincé, je pense que c'est pas très grave parce qu'une fève, bon, ça se récupère, quoi. Ouais. Mais disons que c'est cocasse, voilà. C'est tout. Ah, c'est dur, à la vache. À moi, il m'est arrivé une dinguerie, c'était il y a deux ans quand j'étais en stage aux urgences. Et là, il y a un mec qui arrive, genre vraiment, mais il marche en babar, quoi. Genre, il arrive à un moment, un petit bout de plastique dans le cul. Je commence à tirer, gros. Je tire, toute une schkoumoun, tu sais la nouvelle à étagère là de Ikea. En entier dans le cul. Mais attends, montez ou... Tac, hein. Montez ou... Ah oui, montez. Montez, je sais pas comment c'est rentré, mais en tout cas le mec avait mal au cul, gros. Ouais, c'était dur. Après, on a réussi à tout démonter et tout, à enlever, mais c'est ouf. Hein. C'est ouf que tu dises ça, parce que moi, c'était aussi il y a deux ans, ouais. Ça doit avoir un rapport. Moi, j'ai retrouvé une visseuse Ikea dans les fesses d'un... C'est son mate. Un couple. Et donc, effectivement, bah, peut-être qu'ils devraient se mettre ensemble, je ne sais pas. Donc, une visseuse qui fonctionne encore. Ok. C'est dur. C'est très, très dur. J'hésitais, hein, mais... C'est très dur. Ouah, c'est chaud, frère. J'ai vu Michou qui était en train de faire un opening dans le... Avec David Tafa. Je m'attendais à ce que le numéro 10 soit là. Gros, j'ai retrouvé le Titanic dans le cul d'un mec et tout. Et là, ils sont là. Il y a une fève. Attends, un meuble monté. Ah, on est entre 0 et 4,2 là. Non, c'est chaud. Tu t'es déjà retrouvé avec une étagère dans le cul. Bah ça, c'est sûrement un 9. Ah bah oui, il manquait pas de pièces. Ouais, et toi, tu l'as tout fait. L'as pas fait, toi, fais-le. Bah je réfléchis parce que là, il faut que je trouve un truc qui s'immisce. C'est la question. Bon gros, j'étais aux urgences, du coup effectivement, tu te souviens mon stage. Hey. Bref, et il m'est arrivé une dinguerie gros. Tu sais là les. Tu vois le 2 bis dans mon cul. Oui. Tu peux les compacter, hop, pour recycler. Exact. Il y a un gars, il a pas compris que c'était à la poubelle que ça se mettait. Ah, on l'a retrouvé dans son cul. Le truc c'est qu'il les a compactés, du coup il s'est dit bah je peux en mettre 3. Technique, hein. Mais on a récupéré. Est-ce que la pression, elle se regonflait derrière? C'est-à-dire, le mec a lâché une perloute, pouf. Écoute, on a tout testé, mais Non, là, je vais partir trop loin. C'est le moment de ça. J'allais partir sur l'eau avec un goût, là. Oh, non. Il fallait s'arrêter. Allez, Ted, c'est à toi. Ted, le serpent monde dans mon cul. Dans l'ordre. Bon, le 1, elle est dure, en vrai. C'est moi. Donc ça va, ça, c'est pas trop compliqué. La capote. Ouais. Ouais. Et c'est logique. Ah, ça devait arriver à tous. Alors écoute, c'est quoi la ville où tu partais en vacances? La Bourboule. Alors, peut-être qu'à la Bourboule c'est une pratique courante d'autochtones. Alors, mais... Si je me souviens bien, l'armoire, la visseuse, oui. Les bouteilles. Trois bouteilles. Trois bouteilles. Rappelle-moi. Trois bouteilles. Les deux thermomètres. Les deux thermos. Ah, oh, une fève. Et une petite fève. Ah, la petite fève. Petite fève maintenant? Oh la... Bah oui. Moi, je pense que oui. La petite fève est maintenant. Ah, les bouteilles sont pas loin, mais la petite fève est maintenant. Un petit 3, non? C'est à 5. Ah, 5 là pour la fève. Ah ouais, merde. La fève. Une fève. Ah ouais, c'est tout petit. Fève dans le cul. Mais à 5, tu se trouves pas dans le cul. En fait, c'est trop bon, je t'ai mis une fève dans le cul. Tu m'as pas d'urgence, t'attends. Moi, c'est une fève de Johnny Hallyday avec une guitare. Une saucisse, t'aurais dû dire une saucisse. Une saucisse, ouais, je sais pas. En fait, j'arrivais pas à imaginer ce qui était normal d'avoir dans le cul. Une bouteille. Parce que personnellement. Une bouteille de
de bière classique. Je l'ai mal joué, je le concède. Ah, bah donc attends, si les bouteilles sont là alors, les bouteilles. J'ai mal joué. C'est la classique. L'urgence, la bouteille de bière, ouais, ça doit être un bon 5. Donc je pense que toi, je pense que t'es avant Gigi. Mais effectivement, puisque j'ai un 3. En fait. Eh ouais, putain, les bouteilles. Ah, alors, le thermomètre. Mais gros, t'imagines pas tout ce qu'on peut mettre dans un cul. La gourmandise. Bah rien pour les deux. Twix. Bah il y en avait deux. Alors. Waouh, putain, les gars, mais c'est n'était pas excusez-moi, putain. Excusez-moi. Attends. Mais c'est long, un thermomètre. Attends, mais c'est un thermomètre en le principe en mercure, d'un thermomètre, les gars, c'est de prendre la température. Non, mais je suis d'accord avec toi, t'inquiète. Pour non, moi, c'était déjà, ça, la logique. Gens. C'est, pour c'est... moi, vous étiez tous entre 0 alors, et 4. C'est ça, ça s'utilise pour ça, à la base. Il y en les avait enfants, deux, parce que c'est un peu plus dense, quoi. Lui, dit les enfants. Juste un truc. Oui. Toi et toi, je sais ce que vous avez tenté de faire. C'est interdit. Ah non, non, deux non, thermomètres non, comme non, par non, hasard, non, non, non. Trois bouteilles comme par hasard, c'est la dernière fois qu'on accepte ça. Alors, t'as raison, mais j'ai pas fait exprès. D'accord. Exactement. Moi, la logique du truc, c'était un thermomètre, c'est normal. Deux, ça commence à être moins normal. Et si je disais trois, ça semblait vraiment plus exagéré. Moi, il y avait cinq faits. La logique du thermomètre. Jouer de la guitare. Johnny, le batteur. Le batteur. La guitare. Laetitia. Il y avait les Zizi Top. Tout ça, Martin. Sa première partie, ils étaient tous là. Bon, on va dire qu'on a plus le droit de dire des numéros. Ok, voilà. Ok. Bah, la visseuse. Quand même, ah oui, la visseuse était. Est, j'espère qu'elle elle était à 7. Ouais, ah oui. Bah, le meuble Ikea. Ils arrivent à la gourmandise. Ah oui, un meuble Ikea, quoi. Quoi ? Bah oui, parce que 9 et 10, gros, un avion, l'immeuble. Mais, bien sûr. Mais gros, moi, c'est pour ça que j'étais mordé depuis tout à l'heure, j'imaginais le capitaine du Titanic qui était là. Eh ben, on va enfin sortir de ce tunnel. C'était comme ça, gros. Bah non, il rentre. J'étais pété. Oh, putain. Ok, ok. Voyons ça comme ça. Voyons ça comme ça. Pour moi, le 1, c'était une phalange, tu vois. On était vraiment... C'était délicat. Bah, j'ai retrouvé une phalange. Non, le mec bloqué. J'ai trouvé la main de la famille Adams dans mon cul. Attends-moi, mercredi. Le mec attend de la fiste, il est pas ressorti. C'est la véritable histoire de la main de la famille Adams. Il y a tout un corps qui est dans un cul. Il y a seulement la main qui a réussi à s'échapper, en fait. Couper la main, c'est la vraie histoire. Oh, bon, je vais essayer de... De rebaisser un petit peu. Une montre, c'est la question. On, est... On s'approche un peu trop du plafond de verre. J'ai pas envie qu'on le dépasse ce soir. Je me suis engagé tout à l'heure. Du coup, on va redescendre un petit peu. Mais vous allez voir, ça va quand même vous régaler puisqu'il s'agit d'un petit mime. Bien sûr. Ah. Ah, on aime ça me régale toujours. C'est lequel, il c'est lequel. La... Attends, il a... C'est la plus virulente, hein. La plus pépère. Regarde. Il y a un plafond de verre. De la plus veineuse. Bon, merci. On vous présente. On vous présente. J'en ai mal au vide. On vous présente. Merci. On vous présente. Bref de France. Oui, oh, salut. Et alors. Et il va se vendre ce jeu. Ça mais va. Oui, ça va bien marcher. Hey, ils peuvent pas rêver meilleur pub. Je vais pas te mentir. Bon. Là, on le vend bien. On vous présente la reine d'Angleterre. Mm-hmm. Okay. Mimez votre façon de la saluer. De la moins respectueuse à la plus respectueuse. Donc, plus respectueuse, c'est 10. Ouais. La plus respectueuse, c'est 10. Okay. Voilà. Et la moins respectueuse, faites bien ce que vous voulez, c'est 1. Attention, c'est Sunday qui va nous juger. Et du coup, c'est à toi de. C'est le mythe. Salut la reine. Bon courage, Sunday. Merci. Je me cale là. Ouais. Parfait. Le chevalier de Pardaïek. Exactement. Salut Couze, ça va bien? Comment tu te parles? Putain! Comment tu te parles? Quand tu te parles, ouais, écoute. Attends, mais c'est pas toi là. Salut ma grosse. Salut le Couze! Attends, madame, recule un peu, on te voit plus. On serre la main quand même. Recule un peu, on te voit pas. On me voit pas, ça y est, voilà, je suis là. Bon, on serre la main quand même, je suis pas une connasse. Allez! Ah, ciao, ma pote. Bravo. Ah, j'ai l'impression d'être toi pendant une seconde. Ouais. Je suis désolée. Ça me sent très bizarre actuellement. Oh là là. Oh, là, c'est comme si elle avait fait... Tu vas voir, je vais t'impressionner quand je vais passer. Tellement je vais être... Vas-y, Gigi. Reine d'Angleterre. Bonjour, enchanté. Il était pas sûr, mais. C'est jamais à quoi s'attendre avec Zari. Oui! C'est elle qui vient à moi. Ouais. C'est elle qui vient à toi, évidemment, c'est Zari. Votre Altesse,
Le petit mouvement de tête et tout. Superbe. On est bien, on est bien. On est bravo, bien. Bravo, mec. Hein. Honnêtement. On m'appelle la garde. Oh là, déjà, être short magic, c'est du manque de respect. Devant la reine. Oh, ça me détruit. Ça va devenir culte, cette musique. Ah, c'est pas respecté. On passe sur que tu passes la porte. Allez, oh, la dingue. Le retournement de situation était énorme. Pam, pam, la, 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 la. Prochainement. Prochainement, tu vas voir. Trop grand pour le cadre. Oui, c'est clair. Bon, bah, allez. Okay. Non, je vois. On lui la 3 là, moi. Allez. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois la méta. Attention à la tête. On y va. Oh. Ta double, quoi. Oui, c'est ça. Et voilà. Oh, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça, bon, alors. Vision, toi. Et voilà. Voilà, voilà, pada. Donc, pada. Je commencerai par toi, Rof, une couche de catch à la d'Angleterre. Tu l'as bien eu, la code. Ah, je t'aurais donné deux. À un, je pars sortir la tronçonneuse, j'ai niqué sa race. Voilà, voilà, doucement, c'est la reine. Ça reste la reine. Je la salue. Elle est célibataire, il y a un coup à jouer, les gars. Joli. Elle est célibataire, il y a un coup à jouer. Il y a friction. Il y a bon. Il y a un château à prendre. C'est un viager intéressant. Parce que... Ah, bah là. Ah, bah le plafond de verre. Ensuite, alors le truc, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, du coup, je suis en mode, je sais plus ce que t'as fait. T'es pas sûr. Toi, t'avais fait une dingue, hein, par contre. Moi, j'avais fait une dingue. Je pense que je suis la celle d'après. J'avais un petit 3. Un petit 3, donc voilà. Il n'y aura pas de 2 a priori. 3, mignon. Alors ensuite, donc on avait l'adoubement, on avait Xav, les courbettes, le lever de tête légendaire. Et Max qui était là. Max est 5. Lever 4. Max 4. C'est quand même proche. C'est proche. Bah du coup, juge, ça va être toi. Ouais, moi j'étais tout petit peu plus de 5, 6. Parfait. Ça me s'est permis de douter. Et maintenant, qu'est-ce qui était le plus... Bah je dirais Xav et ensuite Ted. J'avais 2. Non, je rigole. j'avais 8. Et moi j'avais 9. Alors, yes, hey, bravo. Ouais, Sunday. T'es fort. Bah, bravo, Sunday, elle est fort. Bravo à vous. Hey. C'est vous, les acteurs, messieurs. Passer sur les acteurs. On va repasser sur une petite anecdote. Allez, régale-nous. Une anecdote. Tiens donc. Non, justement, on va un petit peu aller là-dessus. On peut manspread un peu peut-être. Ok. Dis-moi. Bienvenue dans la ligne 13. Alors, comment ça se passe? On est bien. Quel objet avez-vous utilisé pour une fessée à votre dernière soirée SM? De 1, soft, à 10, très maso. Ah, faut l'inventer, oui, d'accord. Faut l'inventer. Non, tu voulais. Max, la révélation. Ouais, tu peux prendre le souvenir si tu veux, mais. Excusez-moi, t'es en pleine. J'étais là en mode. Alors. Alors, merde, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, attends, c'est de quoi? Tu peux répéter. Je répète. Quel objet avez-vous utilisé pour une fessée à votre dernière soirée SM? 1, très soft. 10, une dingue. D'accord. Okay. Et c'est à moi. Bah, ma dernière soirée SM, dinguerie sur dinguerie, ça part en couille et tout. Oh putain, oh, le cul rouge là, oh, là, là. Oh, mais c'est vrai que ma partenaire était un peu douillette, donc je me suis permis de la détruire avec tout le respect qui lui est dû, avec une très belle plume. Oh. Ah ouais. C'était délicat. Oh, voilà. C'est romantique. Okay. Ça lui a fait trop mal. Zary, moi, partie fine, qu'est-ce que tu... Eh bien, écoutez, aussi loin que je me rappelle, c'était tout simplement une petite cravache. Le sound, il est excellent. Voilà, mais sec. Petite cravache, au calme. Il y a Jules qui a travaillé à Decathlon qui nous racontait qu'après 50 nuances degrés, il a vendu beaucoup de cravaches à Decathlon.
J'en ai rien à foutre. Et ça passe. Et ben. Oh, il a tendu une perche, le grand. C'est dit, c'est dit. C'est dit. C'est le mec, il est là. Insulte-moi, vas-y. Il est là, vas-y. J'en ai rien à foutre. La dernière soirée SM. Vraiment, ma dernière soirée SM, c'est vrai que on a, bah, c'était hier justement. On s'est allé faire ça. Et qu'est-ce que je disais? Du coup, j'ai l'image maintenant. Bruitage oui. MMA sur YouTube. J'ai l'image maintenant. En fait, il se trouve qu'on était la petite dormait pas très loin, donc on n'a pas voulu trop faire de dinguerie. Du coup, on est allé. Oui, c'est vrai, ça fait plus rien. Et du coup, on était dans la cuisine. Et donc du coup elle me disait vas-y donne tout, alors j'ai fouillé. donne tout mais gros, il y a un objet j'allais y venir. Le deck magique, le deck brûle, mon pote. Muli Tignon, le graphique 160 bon bon, le Lotus. Et donc je cherchais un instrument à porter et je suis tombé sur un rouleau à pâtisserie, mon gars. Et ben je peux te dire que ça fait des tartes. Oh, le play of the game. Le play of the game, on l'a. C'est pas ça, c'est pas le play of the game. C'est Avenger ou play of the game? Non, c'était play of the game. Je crois que c'est play of the game. On l'a. Remets. Play of the game. Et le rouleau pâtissier. Voilà. Ok. C'est tout pour moi. Pour ma part, c'est assez difficile d'en parler puisque on n'est plus ensemble hein, suite à ça. C'est vrai que je me suis un peu laissé emporter, notamment après ces quelques années d'été. Vous avez déjà vu Breaking Bad? Oui. Vous voyez qui c'est, Lucille? Non, la batte de baseball. C'est, pas... ah, c'est la batte de baseball avec du barbelé autour. C'est pas, mais c'est pas Walking Dead, par contre. Walking Dead, c'est pas Walking Dead. Voilà, le chat en feu. Voilà. C'est terminé. Voilà, donc c'est un Walking Dead. Et bah. Est-ce que je te prends avec de la meth? Elle a adoré Walking Dead et je lui ai dit, bah tu vas t'y croire. Et. elle y a cru, quoi. Elle y a cru. Voilà. Après, je suis un prince, c'est moi qui ai payé le fauteuil roulant. Sympa. Effectivement. Une batte barbelée, c'est ça? Ouais, pas mal. Bah moi, je t'avouerais que... On se connaît depuis très peu de temps, du coup. Oui, c'est bienvenu dans le cercle. Oui, c'est waouh. Je savais pas qu'on allait se lancer aussi. Alors... Tu connaissais pas la soirée? Soirée-jeu, on appelle ça. Jeu, ouais. Tu viens plus. Non, doudou. Donc oui, j'étais moi tranquille en train de lire mon jeuxvideo.com, tu vois. Et là, elle m'a sauté dessus direct. Donc le seul truc que j'avais à portée de main pour bien la... C'était mon catalogue. Je l'ai roulé et paf, tu vois, une bonne petite. Une bonne petite. C'est quoi un magazine? C'est quoi la Redoute? Non, c'était jeuxvideo.com. Ils ont, parce que jeuxvideo.com n'est pas un magazine. Oui, parce que... Ouais, Je pensais qu'il allait prendre l'écran, du coup. Ouais. Un écran. Un TéléZ. TéléZ. Avec le clébard. Le clébard. La lueur. La petite blague qui va bien. Un petit sous-géant. Un petit voici. Ok. Très bien, Sunday. Bon, ben moi, tu sais, je fais un peu de cosplay. Et du coup, bon, je me suis dit, on va mixer un peu le plaisir et l'agréable. Du coup, ben... plaisir à la créa. Ça veut rien dire. Mais... plaisir. Ah ouais, tu as de plaisir ici. Finalement, donc... l'utile, on s'en bat les couilles. Bah non, l'utile, quel plaisir. Écoutez, du coup, j'ai pris, tu sais, un peu de moumoute, la petite fourrure trop mignonne, et je l'ai collée sur une cravache, et puis voilà, on s'est bien marré. Ça faisait pas de bruit. Ça faisait pas ce bruit-là. Le cravache, ça faisait plutôt. C'était agréable. Ça faisait. Bah écoute, okay. C'est pas moi qui ai pris, donc il te dira. On est au téléphone. Tu vas lui demander? Oui, alors c'est de la merde. Bon, alors Gige. Eh ben Gige, c'est coup dur, évidemment, c'est moi qui suis en 1, puisque bon, frapper avec la plume. Par contre, en fait, c'est chiant parce que cravache plus moumoute, techniquement, elle est en dessous du coup. Donc on verra. Là-bas, on a le. Moi, je dirais toi en 2. Eh ben, je pense que tu as bien raison parce que j'ai un 3. Ouais, ouais. Pas mal. Rouleau pâtisserie, ça commence à taper. Je dirais de ce côté-là, tu dois avoir 4. Bien vu. Oh là là, il y a 5.
Il est à 5. Et le 5. Le rouleau. Et le 6. Ouais. Le 8. Eh, Lucille. Lucille. Ah non, j'avais 9. Attends. T'avais 9, non, non, Lucille, les étraces quand même. Hein. T'as pas vu mon petit tête, je crois. Non, j'ai pas vu. Crois-moi, Lucille a fait des 9. C'est la personne jetable. Tu fais une soirée avec elle, tu vois. C'est terminé après. Allez, on change de joueur. Alors, question subsidiaire, qu'aurait été votre 10? Oh putain, oui. Ah bah, le 10. Le 2 bis. Sans sonneuse. Le 2 bis. Le 10, c'est la sonneuse, gros. Un tractopelle. Un tractopelle, ça. Ma belle-mère. Non, le 10, je lui arrache son propre bras et je lui claque avec. Ça, c'est 10. Ça, c'est 10. Ça, c'est pas 10. Et je te donne même 11. Ouais, c'est cadeau, c'est pour moi. La suite. Alors, vous avez pas d'idée? Alors, non. Oh, le plafond vert. Alors, alors on est okay. En terrasse là. Alors. Le safe world. Qui est remis encore. Yes, vas-y, je prends, je prends. Ah. Bon, on est sur un oral. Ah. Attention. Oui, attention. Oui. Racontez un rêve qui contient le mot cheval. De 1, romantique, à 10, classé X. On peut ou on peut, c'est juste. Mais c'est bon, tu vois, c'est jouable. Je l'avais mis en, je l'avais mis en rouge. Je l'avais mis en rouge sur mon des animaux. Tout ceci est une fiction. Ouais, on évidemment. Adore les animaux. C'est du fait, cinéma. Voilà, c'est du cinéma. Si ça passe. Oh, c'est un film. C'est un film. Il veut prendre le terrain. Toi, il commence. C'est toi qui commence. C'est quoi exactement l'intérêt? Alors je répète, c'est un ranch. Raconter un rêve qui contient le mot cheval, mm-hmm. du plus romantique au plus trash. Donc c'est un rêve, j'étais dans un ranch. c'est ça. Ça. Et là j'ouvre tu vois les écuries. Et là qu'est-ce que je vois? Désolé mais une fille malheureusement j'ai pas son visage, je m'en rappelle pas. Et il y avait quatre hommes et un cheval. Les quatre hommes avaient rien à envier au cheval, si tu vois ce que je veux dire. Il y en avait un qui s'appelait Lucky Luke, l'autre Torpedo, le cheval de Yakari et l'autre, je sais plus trop son nom. Et honnêtement, je vais pas te mentir que le rêve a duré entre 2 et 3 heures. Donc voilà, ils étaient montés comme des poneys, comme des chèvres. C'est 5 étalons. Voilà. Ils ne savaient plus faire la différence. 5 étalons, donc... Très bien. Très bien. Bah moi ça me choque ce que tu me dis parce que le rêve que j'ai fait on appellera le rêve grand galop, tu sais. J'étais aussi dans un ranch, probablement le même, d'accord? Probablement dans une autre box. Il y avait également une fille, mm-hmm. sauf que je voyais que bah effectivement elle allait se faire peut-être maltraiter par les quatre gars dont tu parles. Non, 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 non. Et ben figure-toi que j'ai enfourché un canasson. Mm-hmm. Je l'ai prise comme ça. Comme ça, hop, je l'ai mis derrière et je l'ai emmené vers son destin. Tu as sauvé du rêve de Xari. Je l'ai sauvé de ton rêve. Oh, c'est ça, c'est un grand bien te lui fasse. C'est vrai que j'étais dans France aussi. Dans le même dans mon rêve. C'est Inception. Il y avait un petit rêve commun. Simplement, bon voilà, je suis simplement en train d'entrer dans l'écurie là. Et qu'est-ce que je vois? Sur le cheval, deux meufs en train de se faire archi-plaise. Très bien. Amusez-vous. Je vous souhaite un bon moment. Excusez-moi, je vous dérangeais. Je suis parti. Et je me suis réveillé. C'est romantique, hein. On t'en va dans l'agréable plaisir. Enfin, je sais pas. C'est merde. Alors, est-ce qu'on peut avoir une musique bien sympathique? Je cherche, mais je trouve pas. Non, un petit truc, Blanche-Neige, un truc sympa. Oh là. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Il était une fois. Oui. Un homme. D'une beauté sans égale, qui était sur un canasson blanc, magnifique, il chevauchait la campagne. Quand tout d'un coup, il tomba face à une beauté sans pareille, qui était là, prise au piège face à un ours. Le chevalier descend, pourfenda l'ours, attrapa sa belle et la démonta au niveau d'une colline. Oh, le plaisir! J'étais sûr. Non, mais à un moment donné, pour bien prendre la parole. C'est le début est romantique. Il y a un début qui est close. J'ai passé de Disney à John Biroud. Oui, John Biroud. Oh
la vache. Je reconnais, c'est plein. Vas-y, Sunday. Pas enchaîner, Sunday. Bon, bah écoutez, moi, j'ai rêvé d'un ranch où je voyais au loin ces messieurs, mais... Ouvrir un gîte. Hein. Il y a trop. On est sans. Il y a du monde, visiblement. Il y a du BNB, là. Mais moi, j'étais dans les écuries de loin. Non, je voyais ça au loin. C'est... Not my day. Beaucoup de femmes dans le ranch, hein, quand même, qui sont perdues. Hein. C'est un rêve, Jacques. C'est un rêve. Et donc, bon, je me déplace dans ce ranch et puis j'ouvre la porte. Et là, je vois un bel homme. Un bel homme qui arrive avec une rose et me dit bon, salut. Bien. Alors, évidemment, moi, qu'est-ce que je fais? Je monte. Salut, tu viens. Bah, je monte. Hein. Et, I'm glad you came. Donc, bah, glad he came. Hein, glad he came. On s'est roulé une bonne grosse pelle. Et la suite restera. Il y a un cheval dans le coin. Il démonte le. Ah oui, on était sur un cheval. Ah, ok. Sur un cheval. Sur un cheval. Non, non, c'est pas le cheval, le mec. Non, mais il y avait un cheval dans l'histoire. Il fallait un cheval dans l'histoire. C'était la monture, c'était la monture. Jijou. Alors, figurez-vous. J'étais dans un ranch. La nuit est à 25 euros. Tu l'as compris ou pas? En plus, dans un ranch, oui, j'ai un ranch au Texas, monsieur. Il y a plus de vaches que de chevaux déjà, normalement. Comment monsieur? On s'en fout pas. Un ranch, effectivement. C'est le cow-boy. Donc là, j'étais en train de boire le thé chez l'habitant. Quand soudain j'entends hennir, si je puis me permettre d'utiliser un tel vocabulaire, je me précipite vers un box et que vois-je? Un énorme valcheux avec une queue tombante. Magnifique. On t'entend plus du coup. Comme ceci. Elle tapait sur sa droite. Et à côté, une personne en train de tenter de la traire. Technique. Et il a réussi. Waouh. Il y avait une touche de romantisme. Je trouve qu'il y a une touche. Eh ben, bon courage. Eh ben, vas-y, Xari. J'hésite entre Rof ou Sunday. Je dois avouer, j'ai glissé. Moi, j'ai je vais mettre off, J'ai non, c'était propre. Ah. Pour le... Bah, du coup, je vais mettre Sunday, mais t'as peut-être sur le chiffre, j'ai glissé. Non, j'ai pas. Oh bah, et il s'est quand même passé des trucs. Ensuite, en romantique, je vais mettre Ted. Non, mais j'ai glissé. J'avais un. J'ai glissé, chef. J'ai glissé, je l'ai dit. J'ai glissé. En fait, tu sentais que t'étais très bien, tu t'es dit, oh, pour la fin. Oh, la fin. Oh, d'une colline. Mais ça peut être très romantique. Bah oui, tout était romantique. Oh non, le je vais mettre Max. Max après. Ouais, j'avais le numéro 4. Bien. Et je vais mettre toi après. Moi, je suis à 7. Moi, j'étais à 9. Ouais, parfait. C'est pour ça que je me suis permis. Comment il s'appelle le cheval de Yakari en vrai? Je sais même pas qui est Yakari. Yakari, c'est l'Indien. C'est le petit tonnerre. Bah oui, le petit Indien. Qu'est-ce que t'as mis de torpedo? Torpedo. Ouais, bah je savais. C'est pas mal. J'ai plus, pardon. Ok. Quel est très sympa. T'as bien mixé. Mais ça va. Merci, j'ai tout donné. Désolé, je travaille mon overreact. On va faire un petit mime tranquille. Ah, un mime. Oui, le mime. Vous sortez de votre douche. Ok. Face au miroir. Non. Vous allez juste. Face à la mer. Face au miroir. Exactement. Imaginez un cheval. D'accord. En haut d'une colline. Le muscle est calmé, hein. En vrai, il est tranquille, celui-là. Il est tranquille. Donc, vous, face au miroir, vous vous parlez à vous-même avant d'aller pécho en boîte. Que dites-vous? De 1, le plus pessimiste. 10, le plus optimiste. Ok. Je répète, vous allez sortir de votre douche face au miroir. Vous vous parlez à vous-même avant d'aller pécho en boîte. Que dites-vous? 1, vous êtes très pessimiste. 10, très optimiste. Et je vais commencer. Mise en scène, vous prenez ça debout et tu parles pour refler comme ça là. C'est pas ce que je comptais faire. Tu fais ce que tu veux. Tu fais tout à l'heure, il était là avec son miroir, tu fais pareil. Moi j'ai déjà un miroir, il est invisible. Je l'ai déjà mimé, quoi. Je l'ai mis en place. Ambiance douche, bonne chance. Ok, fais ce que tu veux. Ambiance cringe land, ça va être un truc. Ok.
Déjà, qui sort comme ça? C'est une baignoire c'est ou une barrière? Non, c'est une baignoire, hein. Il a bon, déjà, tout le monde sait qu'il a une baignoire à rideau. Oui, voilà. Je pense enfin, le truc le plus à chier de France. Ah ouais, ça te colle au cul le rideau à chaque fois. Non, mais très bien. On s'en fout. Très bien, très bien. Faut changer de salle de bain. Changer de rideau il n'y a pas longtemps, ça m'a coûté 15 balles sur Amazon. J'avais rien sous la main. C'est vraiment dur. Bouh! Une anecdote sur des 4 balles. Oh là 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 là. Oh, la mise en scène! Attends, mais mets-le de telle façon qu'on voit ton reflet. Ouais, mais c'est chaud. Tourne, 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 tourne. Non, mais en vrai, c'est mieux si on voit ton reflet, ça. Ouais. Toi, tu peux être un peu plus haut, c'est pas grave. Ah ouais, comme ça? Oui, stop. Alors, non, un peu moins. Ouais, ouais, si, ça, oui, c'est parfait, bien. Voilà, parfait, parfait. Voilà. Voilà, cale-toi bien, d'accord. Voilà. Voilà. C'est sûr, hein? Oui, oui, c'est voilà, bien. On va tenter un truc. Bon, on y va. On tente un truc. Effectivement, très bien, hein. Attends, c'est bon, là? Ok. Allez, champion. Ce soir, c'est la bonne. Je vais tout donner, putain, en même temps, je suis quand même pas si beau que ça, putain, vrai. Ah non, si, allez, j'y vais. Ce soir, vraiment, je pécho, je vais tout donner au space, là. Allez, je m'en lance déjà un petit peu. Allez, j'y vais. Allô ? Il est bon. Donc ça, c'est de 1 où t'es le plus non, t'es le moins confiant. Non, t'es le plus de 1, c'est en mode j'y vais, mais je... 1, c'est très pessimiste. Ah, pessimiste, pardon. 10, c'est très optimiste. Ça marche. Vas-y, Max. Par contre, toi, tu sors de la douche avec une casquette. Déjà, il sort de la douche comme ça. Évidemment, c'est une... Je rappelle à tout le monde, c'est une fiction. Oh là là, le numéro élevé ici. Non, au contraire. Non, ok, on y va. Non, je suis le merde. Alors, regarde bien la cam. Je le remets bien. Ok, là. Eh ben ce soir t'es Apollon mon pote. Il peut jouer, t'es absolument injouable, t'es le meilleur, regarde-moi ce cul putain. Il en restera pas une pour les autres ce soir. Tu baises. Let's go. Oh le cul. Je vous propose ça. Ted, sortons de la douche. Ah ben, je grignote. Putain. Voilà. Je vous propose. Attends. Alors en fait, il faut que tu... T'as pas un miroir plus gros parce que... c'est chaud. Mets-toi sur la droite du miroir et là, tu dois voir la caméra dans le miroir. Exactement. Okay. Regarde, avance. Là, on est bien, là. Non, t'es pas mal. Avance-toi. Voilà. Décale-toi un pas à droite. Un pas à droite. L'autre droite. Oui. L'autre droite. Est-ce que tu vois la caméra dans le miroir? Non. Ah oui, si, oui. Voilà, oui. Et ben voilà, parfait. Ben, regarde la caméra dans le miroir. Si tu vois la caméra dans le miroir, elle te voit. Ok, c'est parti. Eh ouais, mon pote. Ce soir, c'est pour toi. Tu t'es pas fait une touffe de poils à 20 balles pour rien. Eh ouais, mon champion. Regarde-moi ça, cette tablette de chocolat. Enfin, plutôt cette mousse au chocolat. Elles vont tout en manger, t'inquiète. C'est toi, champion. Voilà. Ouais. Ah, il est bon. Oh, on en mangerait. Oh putain. Sunday, c'est ton sujet. Let's go. C'est bon, on est bien. Ouais. Tu vois la cam quand tu regardes des gros baisers. Si tu vois la cam dans le miroir, c'est bon. Je vois la cam. Il y a que des gros baisers là. Eh, hey, on sait tous. On sent l'XP. Bon. Ouais, deux fois en boîte. Bon meuf, ce soir, il va falloir faire un effort quand même. Hein, on peut mettre que... un peu moins fort. Ouais, on la musique. On n'entend pas. Ouais, bah je veux dire, bon, ça fait quand même presque 4 ans, tu t'es peut-être un peu laissé aller depuis le temps, et bon, peut-être que si tu te donnes à fond, tu ramasseras un fond de poubelle. c'est peut-être de viser la fin de soirée quand il y a vraiment que les mecs bourrés qui voient plus trop droit. Peut-être que t'as une chance. Allez, on va le faire. Oh, allez, bon, très bien. Pas trop pessimiste. On est dans un entre-deux. Tiré d'histoire. On est un peu quand même. Ah gars, on est là, hein, les soucis. Mais les soucis, je crois que ça peut être un petit tatou. Pas mal, petite beubard, tu connais, on fait crari. Ah, je pense qu'on va tout donner. S'il y a un mec, le videur, je le saigne. C'est bon, je suis meilleur. Ouais. Bien ce que j'ai dit. Alors, facile, hein. Tu peux refaire l'intitulé. Je refais l'intitulé Exa. Alors, vu les numéros qui sont passés, j'imagine que c'est une merde, Exa. Tu sors ta douche. Zary, tu sors ta douche. Ouais. Face au miroir, tu te parles à toi-même avant d'aller pécho en boîte. Que dis-tu? Du plus pessimiste au plus optimiste. Ok.
Eh ben putain, tu vas avoir du boulot, hein, parce que... Alors, ouais, il y a mon rendez-vous là, 19h30, putain, je peux en baiser que 9, c'est chaud. Ouais, je suis un peu en retard, ouais, ça va être tendu. Ouais, allô, ouais, vendredi, putain, je connais pas son nom, ouais. Vas-y, ciao, on arrive, j'arrive, ouais. T'es le meilleur, mec. Oh là 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 là. Ah ouais, ah, il va avoir du boulot. Oh le bâtard. Ok. J'y vais. Je vais vous noter également parce que voilà. Oui, vas-y maintenant. T'es formidable. Tu chies avec ces armes. T'es formidable. Tu les as payés ou pas? Il voulait rentabiliser le man. J'avoue, il n'y a que des gros baisers. Moi. Non. Il y en a deux pas. Là, je suis clairement pas mauvais. Il y en a deux qui hésitent, mais le reste, c'est démonte-land. Piébiche. En premier. On va pas en boîte pour boire. Sunday, avec un petit 2, je pense. C'est même un. C'était un. Oh, effectivement, je... On n'avait pas forcé le trop le trait. En deuxième, je... bah, du coup, ça va être moi avant Gige. Ouais, je me tente avant Gige, ça c'est à moi du coup. Je me tente avant Gige, j'avais 5. Bien. Gigi, 6. 6, ouais, 6. Ouais. Ted, je t'ai mis un 8. C'était un 8, effectivement. Oh, beau Max, je t'ai mis un 9. J'avais 10. Moi j'avais 9. Et t'avais 9, et je suis vraiment honnête avec moi-même parce que j'ai vu la carte de Max et je suis resté sur mes propres. Il a vu que merde, surveillé, t'inquiète. Parce que Xavier, il est en train de faire du boulot. Ouais. Non, c'était Yvonne quoi. Mais toi, t'as l'habitude d'avoir confiance en toi. Oh non. J'ai l'habitude d'aller en boîte en plus. Tu savais pas faire de gueule. Le plus grand clubeur de France. C'est ça. Avoir du boulot. Ah non, mais vraie question, par contre, qui vache? Qui allait souvent et où va tout. Quand j'étais ado, ouais, pas mal. Non, mais je veux dire. De... Non, mais qui se parle dans le miroir déjà. Ah, ça, personne. Personne, mais. Oh, bah, je vois, Sunday, tu vas voir. Non, c'est un petit ça. Si, le fameux geste comme ça. Allez, champion. Fais pas ça. Vous êtes jamais au taux de chèque. Alors, là... alors de 1 à ma boule. On va peut-être vous laisser dehors. Je livre un truc ce soir. Mais déjà rien que ça, même sans miroir. Que... Ça vous arrive jamais de vous faire un German Suplex devant le miroir? Le jour de ma première fois, je me suis auto checké, tu vois. Ouais. Le miroir, c'était l'auto check, tu ouais, vois. Je ressens ouais. Ça. Mais il faut pas être deux. Ouais. Mais comment ça pour la première? Je l'écoute pas, Simone. Arrête, tu es une vraie personne. Ça vous arrive pas après, hein? Si, ça peut t'arriver. T'arrives et tu regardes en miroir et tu fais. Non, mais je me raconte pas ma vie. Je me regarde et je suis en mode. Tiens, là, je suis pas trop mal, machin. Mais attends, vu le nombre de personnes dans les vitrines qui se matent le boule en mode ah putain, je suis boss ou pas. Moi, ça m'arrive de me faire des clins d'œil. Vous le faites ou pas? Non, mais là, tu es trop loin. Là, tu vas trop loin. En vrai? Moi, vrai, mais parce que j'ai un réflexe de faire tout le tour des clins d'œil. Ce qui non, mais un jour lui, il se kiffe tellement. Tu te rends pas compte moi aussi. Je fais pas des clins d'œil. Bien. Rof, il se kiffe. Rof, devant le miroir. Est-ce que vous. Vas-y, champion. Je me viens sonner à la boulangerie de pain au chocolat. Et là, tu fais waouh. C'est ma femme, tout le temps. Après une longue relation par chat. Votre contact vous envoie enfin une photo. Si vous avez votre téléphone, c'est parfait. D'accord. Si on se rencontrait. Exactement. Quelle est votre réaction de très déçu à waouh. Donc, vous avez chatté pendant des heures et des heures, voire des jours avec quelqu'un. Il vous envoie enfin une photo. Et est-ce que vous êtes très déçu ou au contraire, c'est ouf. Donc vous avez juste à sortir votre portable. Tu parles à toi-même, quoi, en fait. on va juste mimer la réaction. Ah, c'est que du mime. C'est que du mime. Ah, c'est que tu peux dire ce que tu veux. Mais en gros on se met en situation, genre, on discute, d'accord. Ça chibouli de. Et tu vas dire, attends, je crois que j'ai reçu un message. Et là, on a tous compris. Ah, mais putain, on n'est pas en colonie de vacances. On est tous majeurs ici. Ce que tu perds l'attention, c'est que c'est fini. À toi, Max. Ce que tu connais, le tchèque vache. Non. Max, c'est le tchèque meveux. Mais ça, il n'a pas réussi. Max, action. Hé, gros, regarde. Il y a une meuf avec qui je parle depuis plusieurs jours. Elle est en train de me dire qu'elle va m'envoyer une photo d'elle. Là. C'est la première fois que je vais la voir. Vas-y. Elle pourrait mettre une photo d'elle à son profil. Là. Ah, attends. Attends, je me le garde un peu pour moi. Ok, vas-y. Oh la fraude. Vas-y, oh, elle monte. Est dégueu. Mes yeux. Donne de l'eau. Attends,
omnipouce du 22, elle a écrit, ouais, mon cul. Oh, non, dans mon masque. Oh putain de merde. Oh, oh la masse. Est-ce que tu veux de la Starful à Water? Ah, deux doigts de pêche, Herbal. Tu vas rester solo, ça va être ok. Hein. Oh putain. Eh ben. Oh, m'excuse évidemment. Oui, non, mais. Oui. De toute personne ayant vécu une situation. Je m'excuse évidemment. Toute personne qui m'a envoyé une photo. Nous sommes évidemment voilà. Contre le harcèlement. Aucun souci. Pas de bêtises. Hein. Ne faites pas ça. Il s'agit d'humour. Alors. Je le garde un peu pour moi. Bah j'ai 9 quoi. Maman. Oh merde. Non. Attends. Effacez. Monte. Non. C'est ma mère. Bah oui, bah bon. Bravo. Belle inventivité. Très déçu, le mal. Alors, est-ce que ça arrive aussi avec les hommes? Attends, c'était très déçu. Alors, très déçu. De 1, oui, ouais. Plus de 1, t'as très déçu. Plus de 10, c'est waouh. Voilà, c'est waouh. Non, non. Waouh, ma mère. Ça dépend de la région. Et Ah, putain. On embrasse Zoulou et ses compatriotes. Zoulou, évidemment, on a confondu le 1 et le 10. On est horrible. On est horrible. Okay, les enfants sont couchés. Je ne partagerai pas. Hein. Sunday. Ah, Sunday. Pareil, t'as un crush qui... Oh la masse. J'aurais pu faire cette même tête. Oh, ouais. Oh. Elle veut le dévorer en photo. Elle le graille maintenant. Le la mama. Elle était à deux doigts de miam, manger miam, le téléphone. Quoi. Miam, miam, la gaufre. C'est bon. Normalement, Sandé qui a reçu une photo de Brocky, là. Oh. Oh, ça vibre. Et ta bite qui regarde. Ascendé plutôt, Ascendé plutôt. Celle-là. Partage avec Ascendé plutôt. T'es, t'es que en main ou pas? Elle m'a envoyé une... Mais c'est Ross. Oh merde. Oh merde. Je pensais... Alors c'est toi avec des cheveux. Oh non, je suis déçu. Il a pris des mots. En vrai, ça va. Bah non, je suis déçu. Je suis déçu. Cette réaction me flatte. Hey, t'as vu, on a mis des jambes de 3 pouces. Xavi, Xari, Xari va faire la spéciale. Xari, non, j'ai pas non, faire t'as le. Pas osé. Le mec de j'ai une besogne. C'est bon, vas-y. Les gars, je laisse. J'ai du boulot. Je crois. On a le numéro 5. Ah ouais, c'est. Ça glisse. Pas surpris. Ça glisse d'où? Allez, 9 conquêtes par soir. Il a envie de regarder, c'est la même. A le visage le plus banal de la terre. Regardez ça. Tu vas avoir du boulot, toi. Tu vas avoir du boulot. On la raf, il a enlevé le masque. Zary, tu sais que depuis que ma femme a quitté, je me suis. Tu parles. Pas parce qu'on est dans le même champ. Okay, attends, okay. Ah, ce que dit. Zary, tu sais que depuis ouais. Ma. Depuis... Attends, attends, parce que. Faut te concentrer. Zary, tu sais que depuis que ma femme m'a quitté, vraiment, c'est l'enfer pour moi. Je me suis inscrit sur tous les sites de rencontres, vraiment rien, ou alors vraiment des fonds de cuve, tu vois. Et là, donc du coup, je t'ai avec une fille, bon, je sais pas trop ce qu'elle vaut. Tu veux. Oh, le fond de cuve, Ward. Oh putain! Non! Je suis du mentaliste! Oh, mais attends! Oh, c'est sûr que ça fait! Si, il est cette fille! Magneto, c'est fait! Ah! Oh, mais le cas de la fée Magneto! Ok, McLaren est en deuxième position! Il vient de gagner 1 million à Bravo Loto! Ici. Oh c'est là les là. Yeux qui. Oh, oh, du oh, con. C'est parti. Oh là là. Il vient de paquer Charizard. Incroyable. 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 Voilà. Incroyable. J'ai pas les mots. C'est à Max. Non, si. Non, c'est Max. C'est Max. Je dois remettre dans l'ordre. Merde, j'avais quoi, mon Dieu. Alors, c'est moi d'abord. Ah, quoique. Oh, attends, il y a eu du déçu là. Oui, il y a eu du déçu. Il y a eu du déçu, quand même. Je pense que le plus déçu, c'est Ted. Aïe. Un. Ah, difficilement faire plus déçu maman. Que sa mère. Ouais. Ouais. C'est chaud. Après, maman. C'est moi. Deux. Yes. Elle était vraiment décevante. apparemment, elle était décevante et plus décevante que de recevoir la photo de Rof. Ça fait plaisir. Ah
Oh bah, je te grignote. J'ai déjà attaqué ici. Grignoteur. Et enfin, il reste 3. Xari suivi de Sunday, évidemment, le 5 et le 6. Magnifique. Ah oui, j'avoue, on n'a pas eu très haut. Elle est perdue. Ah, j'ai tout donné. J'ai oublié Magneto. Attends, le pire, c'est qu'en plus, gros, point 10, c'était tellement pas assez. Non, non. Tu voulais point 10, je me branle dans la pièce. Retenez, on refait la question. 10, Max. Non, mais Max, je me branle dans la pièce. En plein récap, gros, j'ai fait. Pause, pause, coupez. Coupez. On arrête. Donnez-moi un pot, donnez-moi un pot. Donnez-moi un bol. Paul. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Donnez-moi un jerrycan. Donnez-moi un bol, il a dit. Mais qu'est-ce que tu fais chez toi, grand? Ça va, tu fais reluire le chat. Tu connais sa morale. Bon, putain. Quelle émission de fou. Alors, on aime ce jeu quand même. Hein. Ah, moi, on est loin de... Je ne sais plus les noms. Les terres soumises. Oh là là. Et pour bon. La reine, on le dégage aussi. Il va là-bas. La merde, pour la reine. C'est bien pour la reine. Tais-toi, tais-toi. On continue. Bon, il va nous rester une ou deux. Ouais. Je vais choisir. Parce que c'était vraiment les dingues un petit peu... Vas-y, laisse Max choisir. Prends le PC. Vas-y. On va se régouler. Tiens, tiens, conseil. Il est tard. Celle-là, paraît rigolote. Je l'ai vu, remets l'antile. C'est un 3. Celle-là. Là, là. Ou alors celle-ci, mais j'ai peur que ce soit un petit peu dingue. Non, j'en ai une bien mieux. Allez. Oh la dingue. Votre voisin appelle le téléphone rose. Vous décrochez et imitez la voix qui lui répond. De pas attirant du tout à extrêmement sexy. Oh. Ok, on est parti. Nature, il nous fait piocher, c'est magnifique. Tu peux reprendre mon accessoire. Merci, t'es un frère. Non, mais si on passait. Ok, on va reprendre les duos du coup d'appel. C'est toi qui vas mettre dans l'ordre, mon cher Ted. Ouais, okay. Commence. Voisin, donc, voisine, on peut. Voisin, voisine, parce que c'est beaucoup plus simple. Toujours pour, préféré. Voisin, ok, attention, on est sur une le séquence qui sort. Téléphone rose. Ted, tu peux appeler le standard Maxil. Ok. Ah bah oui, en plus. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui appelle. C'est l'inverse. Moi, j'étais parti en chat. C'est moi. C'est ma faute. C'est toi qui décroches. Ah ouais, toi qui fais le téléphone. C'est toi qui fais le téléphone. Rappelle 1, c'est le pire. 10, tu t'excites. Ok. Allô. Salut, belle. Salut, mon coquin. Qu'est-ce que tu me racontes de beau aujourd'hui? J'ai payé, fais-moi rêver. T'as donné tes cartes bleues, ton numéro de carte bleue à la dame avant? Évidemment. Oh, bah c'est parti, mon salaud. Dis-moi, t'es habillé comment, là? C'est l'inverse. J'aimerais avoir des vêtements, mais pour oui. Le moment, je me suis déshabillé pour toi. Oh, j'aime ce que tu me racontes. Oh. Quel est ton petit nom, déjà? Jean-Mi. Oh, Jean-Mi. Oh. Oh. Mais bien, là, dis donc. Mais oui, mon Jean-Mi. C'est ce que je fais, là, je suis cœur en main. Vas-y, mon Jean-Mi, donne tout doucement d'abord. Non, mais c'est bon, c'est C'est une scène, c'est une scène. Je suis un professionnel, je vais jusqu'au bout des choses. Tant qu'il n'a pas y coupé. Et moi, j'étais à deux doigts. On y va. Oh, le Jean-Mi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mes bols sont propres. Vous pouvez s'en inquiéter. Chez moi, il n'y a pas de problème. On s'en inquiéter pour le petit-déj. On n'a pas senti le fumé. Oh, merde. Je suis sur les tasses, heureusement. Sunday, tu reçois Sunday, un appel de... Je passe après toi. De Gigi, ouais, je vais t'appeler. Oh, allô. Oui, allô, bonjour, c'est bien le téléphone rose? Ah ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais un peu m'exciter? Écoute, dis-moi au cochon, quel... Très honnêtement, je vais exploser. Ça me rend toute chose que tu dises ça. Tu peux fumer quelques gitanes, là? Écoute, si tu veux, on partage.
qu'on parte. Et attention. Switch. Et raccroche. Eh ben dis donc, je ne soupçonnais pas. Une telle voix. On va peut-être rester habillé là. C'est... Des rêves brisés ce soir. Excusez-moi. Ma... allô. Oui, allô. Bonsoir, c'est bien le téléphone rose. Ici même, en effet, je suis Jean Crooner au téléphone. Oh, bonjour Jean. Quel est ton petit nom? Moi, c'est Sun. Sun, ouais. Comme le soleil. Eh bien, j'espère que tu es suffisamment hydraté, car tu vas beaucoup mouiller ce soir. Il dit les termes. Il a dit les termes. Tu es malheureusement hors forfait. J'ai trouvé le jour. Qu'on a peur de la crème solaire. Merci, merci. C'est toi qui m'appelles ? C'est moi qui t'appelle. Il est pris à côté. C'est la première fois que je fais ça. Bon. Ça fait... Oh, t'es grillé. Nico. Nico. Je suis avec bien, je suis avec bien. J'ai jamais fait ça. Oh là là. Oh, t'es pas crédible, frérot. Oh là là. La jeunesse de Ramp dévoilée. T'as pas vu que personne avait pressionné Non, vraiment, il a voulu se couvrir. C'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je parlais devant le miroir, je mettre des coupes. Parler à son téléphone avant d'appeler. C'est incroyable. Oh, oh, j'ai jamais fait allez, ça. Allez, allez, allez. Comme à la maison, enfin. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. Que voulez-vous, le nouveau set? Allô, messieurs. Bon, oh, le bonheur fou. Vous lui attribuez le numéro que vous voulez. Hein. Ouais. Ça surprend. Avoir son double comme ça, c'est... Oh putain, là, il est trop fort. J'en prie. Ah putain, c'est... Ah, là. Allô. Allô. Je vous entends pas. Allô. Allô. Vous m'entendez, là? Vous m'entendez, là? Vous êtes licencié. Vous êtes licencié. Personne ne demande, monsieur. C'est terminé. Vous m'entendez, là? C'est le... Allô. Je suis chez Bouygues, le réseau est à chier, putain. Je suis en 3D. Allô, vous m'entendez? Allez, on se reprend. Allô. On y va. Ding, 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 ding. Pas facile. Je vais déborder un pro, le mec. Oh, excuse-moi, Ardisson. Allez. Attends. Et... J'y vais. Vas-y. Allez. Allô. Allô. Oui. Je suis là pour me faire jouir, en fait. Je n'arriverai pas. Ok, on a que un. Il est un Ok, bon, il est un peu plus un 7. Je suis désolé, je n'y arriverai pas. Allez, il reste au Max. Bon, alors Max, c'est parti. Je suis là. Oui, tu vas pour me faire jouer. Oui, allô. Oui, allô. Bonjour. Fait pour. Un peu de plaisir. Allô? Je suis là pour allô toi, mon chou. Ah, c'est là pour toi. D'accord. Ah, c'est parti alors. On commence par quoi? Eh ben écoute, là je. Là, je laisse caresse, là je. Où ça? Où tu veux. Le coude. Le genou. Le genou. Là, je passe mon petit doigt entre mes orteils là. Ah, lequel? Celui que tu veux, genre un autre. Ami fétichiste, c'est que. Ah oui, oh, j'aime les pieds. Ouais. Oh, gros plan sur les grosses chaussures de Max. Ah, là-bas. Ouais. 50 balles d'étoffe, arrête de conneries. Oh. Il faut attention, il faut rajouter 100 balles, là, c'est fini déjà. Ah merde, attendez. Maman, tu veux me passer ta carte bleue, s'il te plaît? Bravo. Ça marchait bien. Joli. Ouais, belle chute. Dernier vote du coup pour qui s'y colle, c'était Max, je crois. C'était Ted. Alors, du plus schlagos
Bon, je pense que c'est Sunday. Sunday, t'étais pas. Oh, bah, mon cochon, ah, c'est ouais, un petit 3. Bah, ouais. Oh, putain, t'aurais fait quoi? Oh, bah, tu nous avais oublié, Olivier. Bah, Olivier, tu nous avais oublié. C'était Rob, je me suis dit. Il m'a dit, c'est Olivier de Magic Corporation. Je suis désolé. Honnêtement, ça n'est pas pour demander. Moi, j'étais persuadé que ça allait lui faire plaisir. Je me suis dit, entre Olivier de Magic Corporation et Sunday, quand tu m'as fait cette idée. Je ne l'aime pas. Je note. Si vous voulez faire plaisir à Magic Corporation, n'hésitez pas à les appeler, à dire bonjour, je suis bien au téléphone rose. Ils sont en plaisir de vous répondre. Dans ma logique, Rob, vraiment kiffait, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, je suis d'accord. Il s'occupe lui-même. Désolé, t'es quoi le numéro? Donc Sunday, ensuite, je pense qu'on est sur Max. Tout à fait, j'avais un 4. Exact. Ensuite, je pense qu'on est sur Rof. Ouais, bah Rof est à 7, on l'avait dévoilé. J'ai dévoilé mon. Ensuite, toi, mon Gigi. 9 moi. Parce que moi j'ai 10. Ah bah. Oh là 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 là. Et donc, du coup c'est un. Sachant que j'ai sélectionné 9 pour Jiraya avant la carte. Oui, en vrai. La journée, j'ai vu. Et quand t'as dit là, le truc, je suis en mode. Ok. On a pas pour une dernière ou pas là? Ah, 23, c'est allez, peut-être possible. Une mime rapide, une mime rapide. Une rapide, une rapide. On a une qui était rapide. Par contre, je vous le dis ici, c'est une des meilleures soirées depuis très longtemps. On a rigolé. Ah là, j'ai mon. C'est les abdos. Très rapide. Alors ça se voit pas tout de suite. Il faut creuser. Il va falloir bosser. Ça va être très simple. Vas-y, vas-y. D'accord. Ouais. C'est Sunday qui va s'y coller. Enfin, en tout cas, en termes de. Bref, de remettre un peu dans l'ordre. Et le principe, c'est. Tu as deux doigts de gerber, gros. Merci. Vous voulez. Non. Ça va. Non, mais j'ai trop rigolé. J'ai des aigreurs d'estomac. Il y avait les poissons dans Top 10 version famille, on va dire. Gros, on n'a pas le temps. Là, c'est indiquer avec les mains la taille du dernier pénis que vous avez vu. De Rikiki à très à énorme. À immense. D'accord. Juste, c'est avec les mains. Ok, ok. Ça va, aller vite. Ok. Ça va être logé. Ça va surtout être chaud au niveau des cas. Non, ça se passe. On rappelle que c'est une fiction, Sunday. Aucune pression. La moyenne française est à 13. Après, rappelons-le. On n'hésite pas à remettre dans le contexte le moment où on se pose les questions. Vas-y, c'est 13. Du coup, je commence. Vas-y. Ok, bah écoutez, les gars, bon. C'est avec les mains. Voilà. Attends. Mais j'en ai pas une tous les jours. J'en manipule pas une tous les jours, non, moi. Bah, on prend une bouteille. Bon, attendez. On la refait avec une bouteille. Voilà. Belle bête quand même déjà. Hein. On aimerait voir ça tous les jours. J'avais donné un indice dans le récap pour ceux qui se souviennent. Belle bête. Toi et toi, t'as sommé à tout moment. Gigi, la dernière que t'as vue était comment? Oh! Zigouzi. À moi? Ouais. Je veux la musique. Pas le. Non, j'ai pas le. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit à la musique. Arthur! Voilà. Merde! Okay, bon. Il a déjà tout donné, gros. Alors, avec les mains. Oh le croqueur! Grignoteur! Bah, je vous donne de la chance, parce que moi, la dernière que j'ai vue, elle faisait ça, et j'ai vu personne d'autre aujourd'hui. T'as compris? Oui, j'ai compris, c'est nul. Maxil! Ok, Max dans une susu. Stop, reste là, on est bien. Oh là là! Oh mais c'est énorme! Ah oh, big! Il fait de la parapente. Let's go! Le 10 c'est là encore. C'est même pas le 10. Le 10 c'était toi? Non c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, là, il est là. Imaginez quand même. Let's go! Le mec, c'est un parapente Fortnite. Ok, je drop. Tilted Tower. Le 10 il remonte jusqu'au 6ème étage. Alors, moi la dernière que j'ai vue les gars. Elle faisait à peu près ça. Oh, le serpent. Oh, tu fais bien. Worms. Oh, joli. Ouais, 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 petit. Alors, en vrai, ça devrait être facile. En vrai, oui. En fait, c'est surtout donc, à nous. Coup, est-ce qu'on s'est pas trop planté? On a donc... Non. Attends. Lui, en premier. Tu dirais... Bah, oui, il a fait ça, alors que lui, il a fait ça. Moi, j'ai fait ça. Il est vrai. Bon, bah, mais en fait, c'est le après qui m'a perturbé. Ah. Bah, du coup, Rof, donc... Le Uno. Gige, ensuite Ted. Yes, 3.
Ensuite, attends, Xav. Oui, non, Xav, t'as fait le cornetto. Ouais, Maximo. Ouais, 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 sixième étage, donc après moi. C'est une tour de Kaplan, mec. C'est-à-dire qu'à la troisième main, ça commence à faire pas mal. C'est la rampe du fait de Paris, là. Donc après, on a moi, avec 5. C'est la moyenne, du coup, pour toi. Bah, écoute... Est-ce que tu peux remontrer ça? La moyenne. Est-ce que tu peux aller où? Belle, belle. Sélectionné, on lançait déjà. Le mec de Sunday, vraiment, parce qu'il est très, très bien. Et surtout, OTP, elle fait ça, quand même. Mais oui, non, mais parce que... La moyenne. Ça fait beaucoup. Et ça, je n'en ai pas une tous les ça, jours que le diamètre. Je manipule, les gars. C'est le les chevaux, tu vois, mais pas du tout. Et après, c'était Max avec un 9. Et donc, Max en dernier ah ouais, non, avec Max, le... Je ne sais pas comment vous avez deviné. Bravo. C'est joie, ça. C'est joué. Écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Soir les Jeux. On a fait donc un petit mime tout pour se chauffer. Après, on a fini par, je le répète, un top 10 version 18 plus. Donc, si vous le souhaitez, eh bien, il faudra attendre juillet parce que ça ne sort pas avant. Nous, on aura peut-être l'occasion d'en refaire. Tu vois, le mec. On aura l'occasion de refaire. D'ici là, rendez-vous mercredi prochain notamment. Mais on fera peut-être plutôt du coup un petit jeu de mensonges et trahisons. On verra bien. Ouais, parce que ça fait un petit long. Ça fait longtemps. Merci à toutes et à tous encore de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous d'avoir été ici, présents. Franchement, c'est bien marré. Et à très vite du coup sur le stream. Ciao.